Et voilà, normalement. Bonsoir. Normalement, on est en stream. Bonsoir tout le monde. Et apparemment, je sature. Bonjour. Hop. Alors, on va baisser un peu pour moins saturer. Parlez, les gars, un peu. Ouais. Hello, test 1, 2, 3, 4. Voilà, bonsoir, bienvenue. Windows, c'est mieux. Windows. Oh là 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 là, il cherche des... Windows, c'est beaucoup mieux. Il cherche déjà les problèmes. Alors, moi, je suis sur Fedora aujourd'hui. Je tente le diable, selon certains, puisque je suis même sur Fedora Wayland avec Nvidia. Voilà. Si ça, ça crache pas. Ou moins je cumule. Bah écoute, j'essaye de mettre la balle au centre parce que tu craches tellement, Nalkedu, quand tu sais. Moi j'ai rien dit que... ZDL il part et c'est moi qui prends quoi. Bah ouais. Tu craches tellement que je me suis dit que j'allais me faire un KDE Wayland Nvidia pour essayer de crash parce que moi personnellement je n'ai jamais crash sur Linux. Mais voilà, moi je dis rien, tu vois, j'étais là, j'étais chaud pour vous guider, pour vous faire une petite game aux petits oignons. Je dis rien, ADL il parle. Et c'est moi qui prends quoi. Non mais super, ouais. Vive la communauté. C'est la vérité quoi. Franchement. Ah mais c'est la vérité, je veux dire, moi écoute, je stream tout le temps et je crache jamais. Sur ça, moi je stream jamais, mais je strafe jamais. Mais c'est mon PC aussi, c'est le lag, c'est ma connexion. C'est sûr, ADL, t'as jamais craché toi, c'est sûr. T'as 10 terabits de seconde chez toi que tu racontes. Alors j'ai pas 10 terabits, j'ai 2 gigabits de seconde. Ouais. Du coup avec Wayland je suis à 165 fps, ce qui m'a mis la vessie quoi. Vous verriez la courbe, mais elle est plate. Je sais pas si vous voyez le stream là. J'ai une stabilité, mais alors d'une perfection. C'est magnifique. Bon, il faut dire qu'avec une 3090 et un 7900 X3D... Ouais, voilà, voilà. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Bon, ben, il y a un peu de monde dans le chat. Surtout que j'ai appris un truc. Enfin, en tout cas, hier. Du coup, je regardais votre stream au tout début. Enfin, ton stream au tout début, Nalk. Ouais, il y avait personne. Et il y avait marqué 0 alors que j'étais sur le stream. Et que je suppose, toi, tu regardais le retour aussi. Ah, pas du tout. Moi, j'ai le retour sur OBS. Ok. Ah, mais pas censé, what the fuck. Je suppose qu'on n'est pas compté dans les viewers en bas. Ah, la modération, ouais, ça se trouve, oui. Ouais, parce que du coup, j'étais là, il y avait marqué 0. Et c'est resté sur 0 un moment parce que personne te regarde quand tu es pas là. Tout de suite, un appel à la modération. Non, mais le jeu n'est pas censé, what the fuck. Ah, non, en fait, je sais pourquoi. Et c'est parce que des fois, mon cerveau, il réfléchit. C'est parce que Coruscant, c'est la planète capitale. Et comme elle est hyper grosse, elle met du temps à charger. Ah, c'est pour ça. C'est comme maintenant que tu me dis. Parce que j'avais oublié qu'on s'était arrêté à Coruscant. Je pensais qu'on était soit sur la flotte, soit sur Titon. Un petit no-fetch, hein. T'as deviné. Bah, je montre un peu. J'ai fait un peu le tour. Je fais un peu le tour des distros, tu vois. Mais après, j'ai plus trop envie de distro. Là, je vais rester un peu sur Fedora, ça m'a saoulé. J'aurais fait des streams sur Arch. Reviens sur Arch. Non, mais il y a tout le monde sur Arch, sur le Discord, c'est bon. Tu me diras, les admins, ils sont... Viens sur Windows. Sur Windows, ça fera un nouveau... Sur Windows, ça marche tellement mieux. Ouais. C'est tellement plus stable, quoi. Mais tu prends pas un Windows 11, tu te mets un petit XP des familles. Moi, je dis... Y'a pas le son? Bonjour, Adrien. Y'a pas le son, sérieux? Attends, quoi? Si, y'a le son. Je crois qu'Adrien nous dit qu'il n'y a pas le son. Si tu mets pas le son, tu comptes pas. Si, ça marche. Ah non, j'ai compris. Non, si tu mets pas le son dans le sens quand tu regardes un live Twitch, si tu mets pas le son, on n'est pas considéré comme dans les viewers. Ah. Okay. Heureusement qu'il y en a qui suivent hein, quand même. Hein. Ouais, d'accord, ok. D'accord, donc c'était peut-être pour ça, mais je crois que j'avais le son, non? Je sais pas, j'ai un doute. Et bonjour à Adrien. T'as vu, je suis sur Fedora. T'as vu, Adri? Ah. Et gênance. Sur Fedora. J'ai des frissons de gêne en entendant cette phrase, tu vois. Pourquoi? T'as un problème avec Fedora? J'ai un problème avec les personnes qui sont pas sous Windows. Il a viré son dual boot Windows pour mettre sa Fedora. En fait, j'ai fait un dual boot avec 2 Windows. En fait, j'ai tout viré parce que... D'ailleurs, je vais vous montrer ça. J'ai tout viré parce que j'ai décidé que j'en avais marre d'avoir 12 OS. Donc... J'ai plus que Fedora, puisque donc ça c'est Fedora. Là, il n'y a rien, je l'utilise pas, celui-là, il y avait ma Arch dessus, j'ai viré ma Arch. Comment c'est pour formater? Lui, c'est une partition de jeu. Donc tu vois, j'ai monoboot Fedora sur le PC fixe et monoboot Fedora sur le PC portable. Je suis un vrai Linux. Ouais, tu veux dire que tu n'as même plus ta Arch sur ton PC portable? Mais oh là là, rien ne va plus. Mais non, mais c'est pour faire un test au bout d'un moment. Ah, ils ont immersion sur Fedora. Tout ce temps pour rien. Pour laquelle j'ai pas tout ce temps pour rien. J'ai appris plein de trucs. J'ai fait des vidéos. Ça a permis de corriger les 2-3 trucs sur ton tuto. Ça n'a pas servi à rien, Adrien. Moi, je suis content de ma venue sur Gen 2. Voilà. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content de mon expérience sur Gen 2. Juste, bah, je n'allais pas garder 12 OS sur mon PC. J'avais Gentoo, j'avais Arch et j'avais Windows. Il fallait bien qu'il y en ait qui sautent. Et je sais pas pourquoi j'ai choisi Fedora. J'ai choisi Fedora parce que de toute façon, il y a tout qui fonctionne. Donc, enfin, du moins, quand c'est bien fait, bien paramétré, pour moi, il y a tous les OS qui fonctionnent. Donc je me suis dit que Fedora serait un bon candidat et j'ai tout viré, j'ai plus que Fedora. Mais qu'est-ce que c'est nos baraques, comme je dis. Bon, vous arrivez à vous les gars, ou en joue? Ah non, on est là. Bah, non, on est déjà. On t'attend, mec. Cardiac. J'ai cru que tu, je sais pas. Bon, ok. J'avais pas suivi. Excusez-moi. Je pensais que c'était moi qui vous attendais, c'est vous qui m'attendez. Ben voilà, je suis là. Ouah, comme c'est stable Linux. Bah ouais. Je me suis fichu Goverlay, je connais pas les raccourcis. Je sais pas s'il y a moyen de le virer du milieu. Alors, bougez pas, je fais juste un petit truc. En vrai, faut déjà... Ouais. T'es vraiment obligé de mettre un Goverlay? Ouais, je mets le Goverlay, écoute, c'est sympa, non? Ah mais pourquoi pas. Au moins, on voit les... Pour le stream, je me suis dit que c'était sympa de voir un peu que Linux, c'était quand même... Bah, là, t'es sur AMD au final, en CPU. Ouais, là t'as vu, c'est une horloge, hein, c'est une horloge mon PC, le truc il est... T'as vu la courbe des FPS? Yes. Bon, ça va peut-être baisser quand tu auras plus de mobs, mais... Ouais, quand Chaos va cheat, ça va être très complexe. T'as pas vu son méga aspire? Ah merde, que j'ai foutu. Ah si, j'en profitais pour lire mes sorts pendant que vous faites, je sais pas. Ouais, bonne idée. Alors frappe 4 mètres, donc ça c'est du dégât. Génère 2 points de concentration. Ok. E, ça fait quoi? Fente, entaille l'ennemi, ça fait plus de dégâts. Yeah. Sauf que ça ne génère pas de la concentration, ça en coûte. Donc en gros, je fais du A pour faire du E qui fait plus de dégâts, mais qui me consomme de la concentration. R, c'est pour sauter sur l'ennemi en début de combat. Balayage, c'est une AOE, qui fait de 130 à 182, donc elle fait plus... de 2 fois moins de dégâts que ma fente, donc elle est rentable dès 2 ennemis. Donc dès qu'il y a 2 ennemis, mon AOE devient plus rentable que mon mono cible. Frappe fatale. Ah, frappe fatale, c'est cool. Ça génère 5 points de concentration, sauf que ça fait moins de dégâts. Ça réduit l'armure, sauf que ça a 45 secondes de temps de... Donc c'est limite mon premier sort en fait. Donc en premier je fais A pour générer. Ouais mais non, je vais quand même le laisser sur V. Et après je bourrine des E et 6 plus de 1 ennemi F. Alors end, il me fait chier lui. Ça fait quoi? Sprint, j'ai pas besoin de l'avoir là. N, ça fait quoi? Réalise une série d'attaques. Ok, ça fait mal, mais ça a dû céder. Et ça, c'est pour tanker, mais on s'en fout. Pour le moment, on s'en fout. Ok. Et C, c'est quoi? Déjà, riposte. Bon, ça me saoule, j'ai assez lu comme ça. Tu m'as toujours pas invité dans le groupe, hein. Je sais pas ce que tu fais, mais... Ouais, il y a Davius. Salut Ed, salut Davius. Ça va bien marcher jusqu'à la prochaine match du driver Nvidia, dit Adrien. Ben figure-toi que ce matin, j'en dirai pas plus. Figure-toi que ce matin, j'en dirai pas plus. J'ai ma Fedora KO aussi, j'abandonne le défi. T'es nul Davius. Regarde comme ça marche bien Fedora. Regarde mes FPS comme ils sont stables. Alors il râle parce que je l'avais pas invité. Ah c'est bon. Mongo, en fait, pas dans le groupe. Attends, faut que je check comment je fais pour avoir Mongo, moi. Ouais, mais c'est toi qui est pas bon, Davius, c'est tout, arrête. Donc arrête d'accuser les OS alors que tu vois bien que chez nous ça marche nickel. De toute façon c'est jamais à faute de Linux. Gentoo juste marche. Ok. Gentoo ça juste marche après 2 heures de compilation et 6 commandes quoi. Troll off comme tu dirais. Alors qu'est-ce qu'on fait chef? Et bah là nous allons passer aux douanes. Oh non! Mais si, contrôle des douanes messieurs. Mais non! Excuse-moi mais j'ai des trucs sur moi, il faudrait que je les pose d'abord. C'est tout, oui. Ah mais t'inquiète. Okay. C'est ici, faut appuyer sur les petits trucs bleus ici. Ouais, et on fait quoi après? On va se faire douaner. Ok, ok c'est fait. Vous devez prendre machin avec vous. J'ai pas mon robot, apparemment il me faut mon robot. Ah oui, il faut prendre T7 avec vous. Et comment ça marche? Vous avez en bas à gauche la possibilité d'appeler votre compagnon. Mais quel troll cet Adrien. Regarde ce qu'il marque dans le chat. Je ne vois pas le chat parce que comme je suis en mono-écran... Windows tout marche sans souci, mais il a raison ce gars, suivez. Il dit on se fait chier pour rien, Windows tout marche sans souci. Bon, qu'est-ce que je voulais dire à part que Adrien c'est un traître quand même, hein, dire qu'il... Et dire qu'il a je sais pas combien de dizaines de milliers d'abonnés sur Linux alors que c'est un sale traître qu'il est sur Windows et qu'on le sait tous. Attends mais comment on fait pour vendre? Qu'est-ce que je voulais dire? Comme Vincef, hein. Vincef vous savez pas mais il est sur Windows. Hein. Faut appeler vos robots T7. Et du coup c'est dans les sorts, c'est dans Power, c'est ça? Non, en bas de ton écran vers la gauche tu as un petit cercle avec marqué appeler le partenaire. Ok partenaire. Convoquer le partenaire. Petit truc en, tout en bas à gauche. Mais du coup, comment on fait pour vendre? C'est où? Alors là, du coup, déjà, faut que tu le fasses. Clique ici, là. Oh, je vais vendre, moi. Eh ben, moi, j'ai plus Windows, Adrien, tu vois. J'ai décidé que si un truc marchait pas sur Linux, ah ben, je m'en passais. La puissance. Tu vois, j'ai acheté Starfield 100 balles parce que je suis un pigeon pour y jouer Day One. Ah ben, s'il marche pas sur Linux, ah ben, j'y joue pas. Alors, ADL, maintenant tu... Non, je déconne, s'il marche pas sous Linux, j'installe Windows direct. Tu congélies ton partenaire, tu fais clic droit... Mais je veux vendre. 2 secondes, on fait en sorte que Cardiac puisse passer la zone aussi. Ouillon, bah. Faut que je le congédie alors que... Non, ouais. ADL doit congédier son partenaire. Tu cliques sur T7, tu fais clic droit, tu fais... Bah oui, j'ai pas mon partenaire, tu fais congédier le partenaire. Clic droit? Oui, sur ton robot. Ah ok, d'accord. Actuel. Ouvrir la page de gestion. Quoi? Pas congé. Non. Il y a Adrien. Droit, ça me fait rien. En bas, à gauche. T'as ton personnage. J'avoue que Adrien, il est beau jeu quand même. Il a un PC qui n'a jamais vu Windows. Il a dit le PC fixe. Non, quand je clique sur T7, il y a juste écrit ouvrir la gestion d'équipage et réactualiser soin. T'as pas congédié le partenaire dans les options de ton personnage. On va pas. Attends, je vais voir dans la gestion d'équipage. Pas non. Ah. Bon, sinon ce qu'on va faire, attends, j'ai une autre solution. Tu vas tuer, c'est ça? Alors. Ah, congédier le partenaire, faire clic droit, ok, d'accord. Je viens de te dire clic droit. Voilà, maintenant Cardiac, c'est à toi de convoquer ton partenaire. Convoque. Et de passer les douanes. Cardiaque, tu convoques. C'est fait, je l'ai fait direct. J'ai un seul de fou là. Je vais sauter les dialogues, hein, on s'en fout. Allez hop. Oui. Voilà. Au bout de la baston. On va se battre, nous. J'ai déjà oublié l'ordre de mes sorts, mais c'est pas grave. Quel génie. Hop, et on va spatioport de Coruscant. Là, ici? Ouais, faut prendre le sans efforceur. Sans efforceur. Attends, ça s'appelle comme ça? La vache. La France va mal. Ma tour n'a jamais vu que Calcula était Gentoo, ah, j'avoue. T'es un sale barbu, Adrien. T'es un sale barbu sans barbe. Regardez Cardiac comme il est en genre. Taxi de la place du Sénat. Eh, c'est beau. Hein. C'est beau pour un jeu qui date du dernier millénaire. T'es jaloux. Ouais. Mais vas-y, troll Adrien, t'as déjà attaqué. Et tu peux venir en vocal si tu veux. On en est. Par contre, déjà que j'ai du mal à suivre, si tu viens en vocal, en fait, on va jamais arriver à jouer. Oh t'inquiète, tu dois suivre et c'est bon. Normalement, ça passe. Si en plus t'es en mode troll, on s'en sort plus. Hein. Mais si, justement, ça peut être drôle. S'il vous plaît, un Jacques Chirac dans le vocal. Monsieur le Président, vous êtes demandé. Vous êtes congédié. Alors je me perds toujours ici de toute façon. Franchement les Linux, c'est de la merde, j'ai des chutes à 164 FPS par moment. Voilà, hop. Putain, voilà. Enfin il nous dit que bref. On fait chacun sa mère hein. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Que se passe-t-il ? Par contre moi je fais les dialogues, hein, je vous dis. On se demandait pourquoi la République avait conçu une arme. Bien, je dois avoir ma vitamine D. Est-ce que c'est un goût bizarre ? Mon invention n'est pas moi bof non. C'est la technologie militaire la plus aboutie qu'on ait jamais vue. Une fois activé, le générateur de blocus sature l'atmosphère de la planète et la transforme en un gigantesque canon à ions. Tout vaisseau à l'approche ou au départ... Ah bah Davius, bien en vox si tu veux aussi, hein. Parce que je vois Cuphead en même temps, c'est pareil. Pour maîtriser l'ennemi sans aucune perte. Vous avez testé la sûreté du générateur. Ici, pas de discrimination sur les jeux joués, les distributions utilisées. Je viens de penser, il y a peut-être... Bah non, on se troll tous en fait, donc de toute façon, tout le monde tire sur tout le monde, donc... C'est pas qu'il n'y a pas de discrimination, c'est qu'on a juste le grand degré, on va dire. C'est ça. Comment je fais pour inviter des gens, modifier le lien d'invitation... Hop, s'il y a des nouveaux qui veulent rejoindre... Ah merde, j'ai pas ouvert Twitch sur ce... S'il y a des nouveaux qui veulent nous rejoindre sur ce magnifique Discord GLF... Hop. Où on joue sur Linux. On est des fous. Je ne vous décevrai pas. Enfin, il y en a qui jouent sur Linux comme moi. Il y en a qui crachent sur Linux comme Nalkedu. Exactement. En fait, moi je teste pour la communauté. Non, mais mec, t'es le meilleur bêta-testeur de Linux, vraiment. Eh. Il y a 32 heures, des voleurs ont pillé un entrepôt militaire. Ils ont dérobé des... D'ailleurs, je suis repassé sur Lausanne au final. Voilà. C'était un foot du jour. Une caméra de surveillance a pu filmer le visage de leur chef. Mais alors, un zen dégagé ou un zen-zen ? Zen-zen. Ça existe, Zen TKG? Ah, il y a quelqu'un qui vient. Adrien Linuxtricks. J'espère que c'est pas Adrien. Je l'aime pas. Bonjour. Notre maison brûle. Putain, c'est lui. Il est là. On a demandé, il est arrivé. Il s'en sort plus. Bonjour. Bonjour Adrien, bonjour. Ça va? Ça va. J'ai dit que je t'aimais pas, mais c'est pas vrai. Tu m'as quand même fait lever de mon canapé pour venir devant le PC pour avoir le micro sur Discord. T'es fort, hein. Aïe, aïe. Et tu veux pas jouer avec nous à Star Wars? C'est gratuit. Putain, Star Wars, c'est cool. Ah bah là, on peut pas dire qu'il marche pas. Il carbure même. C'est ça, le contre-exemple, c'est Nalkedu. Oui, il y a que Nalkedu. Ah non, Star Wars, pas de problème. Ah bah si, t'as craché. Ah non. Ah non, autant pour moi. Non, c'est sur Borderlands 3. Tu craches trop, je sais plus sur quoi tu craches pas. Non, 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 je laisse les pros gamers gamer. T'as raison. En fait, on disait, Adrien, c'est que Nalkedu sur Debian, il trouve des bugs en fait. Ah ouais, bien, sur Debian stable, il trouve des bugs, c'est sûr. C'est clair. Attends. Alors, Cardiacman, il faut que moi une seule distribution qui a zéro bug. Photo du Mageia. Non, je déconne. Ça va, j'y penserai. Windows n'est pas bugué. Juste ça dépend, les bugs sont cachés. Ça dépend. Windows, ça bug pas... Ça dépend si on décide d'utiliser l'ordinateur ou pas, en fait. Sur mon PC portable, depuis que Windows 11 est sorti, j'ai quand même un bug régulier qui est que ma barre des tâches disparaît. Enfin, du coup, j'ai plus de problème avec Windows, j'ai plus Windows, donc au moins ça arrive. Les gars, je me suis suicidé. J'ai fait sauter tous les Windows de tous mes PC. Et mais c'est qu'il y a un peu de monde pour une après-midi. Eh ouais, hein. C'est week-end, hein, pas du tout. C'est mardi. Ah, c'est mardi matin. Je suis au bon endroit parce que j'ai couru, mais s'il faut. J'ai secret volé, c'est ça? Récupérer les roquettes, etc. C'est ça. Ouais. Cardiac, essaie de sauter par-dessus bord, ça marche pas. On peut pas se suicider, c'est ça que tu dis? Ah, si, ça marche. Bah, essaye. Ça, je suis mort. Et si, ça marche. Et Alt F4. Attends, Alt F4. C'est une commande pour augmenter les perfs. Oh ouais. Non, là, t'as un élément histoire à récupérer si tu veux. Oh mon dieu. Élément d'histoire. Ça fait de l'XP. Vive les éléments d'histoire. Sinon, Adrien, ça va? T'es toujours là? Ouais, ouais, je suis toujours là. La forme? Tu fais du retruc? Je suis en mode discretos. Non, 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 je fais du Mageia 9, là. Ah. Tu prépares une petite vidéo encore? Non, j'essaye de comprendre pourquoi, Mageia freeze sur le PC portable, alors que ça marche bien en VM. Ah merde. Tu l'as déjà fait de toute façon la vidéo sur Mageia? Ouais, je l'ai fait. En fait, je voulais la faire sur le PC portable de test. Mais après l'install, je redémarre, je me connecte dans KDE et j'arrive pas sur le bureau et le PC freeze aléatoirement après la connexion entre... des fois, KDE, il a le temps de charger, je vois l'écran d'accueil et pff, le PC freeze et il s'éteint tout seul au bout de 5 minutes. La faute de KDE. Mais je sais pas parce que j'ai fait plein de petits tests sympathiques. J'ai installé sur cette même machine Manjaro. Avec KDE et en fait que j'ai KDE Wayland X11 noyau 6.1 de Manjaro 6.4 comme Mageia, ça ne brise pas, donc je sais pas d'où vient le problème, mais je pense que j'ai posé la question sur le forum de Mageia Linux Online, on m'a donné la réponse, on m'a donné une piste que j'ai configurée. J'ai laissé tourner le PC. J'ai laissé le PC allumé une heure avec une vidéo 4K. T'as dit qu'on allait où déjà? Pour que j'ai pris taxi. Ça marche. Attends Adrien, 2 secondes. On va où? Tout à droite. Vous avez la flèche en violet. Ah ok, bah c'est bon alors. D'accord. Moi j'ai entendu tout à gauche, j'ai tout à droite. Non, c'est moi. Ouais, j'ai testé une petite manipulation d'après un lien que m'a donné quelqu'un sur le forum de Mageia, j'ai posé la question. Et ça fait une heure que le PC tourne à regarder une vidéo 4K. Et je n'ai eu aucun freeze. Et du coup, c'était quoi? Et là, je me dis, bon, c'est bon, ah, c'est de la chance. Je viens de remodifier le paramètre à l'envers. Je viens de rebooter la Mageia freeze. Et du coup, c'est quoi le paramètre? Je suis curieux. Et donc c'est un paramètre qu'il faut activer dans le centre de contrôle de Mageia. Et alors c'est nul à chier quand même comme option parce que il faut désactiver l'accélération vidéo de nouveau. Ah ouais. Mais après j'ai pas le moyen de savoir. Je connais pas assez bien nouveau. J'ai pas le moyen de savoir si par exemple sur Fedora ou sur Manjaro de nouveau l'accélération elle est activée ou pas. Je pense pas. Ah les cardiaques. Ah les cardiaques. Ah les. C'est vraiment chelou cette affaire. Non, les quêtes, les gars. Ouais, revenez. Oh, bah, ouais. Ah, très bien. Qui c'est qui a démarré la conversion tout seul encore là? Bah, moi. Enfin, je sais pas, j'ai. Un moment, je vous prie. Je vous salue de la part du noble et grand sénateur d'Oliburba. Le sénateur m'envoie pour le représenter, bien qu'il lui puisse s'adresser à vous en personne. Il aime beaucoup se mêler à son peuple. Le sénateur doit être un grand homme. Oh, putain, le personnage, on dirait Cardiac. Le sénateur m'a envoyé à la recherche. Ah, je trouve qu'il a... Ouais, non, même lui, il est plus charismatique avec sa petite moustache, là. Mon perso, il a vraiment une tronche, mais alors... Oh. Bah, je te montrerai comment tu peux le changer. C'est vraiment un vieux Jedi tout pété, mon perso. C'est ça, c'est mieux de classe, tu vois. C'est le secrétaire des Jedi, en fait. Ah merde, j'ai refusé la quête, je suis trop con. Ah oui, effectivement. Et la sécurité de la République a peur de s'attaquer à cette guilde de bandits. Et vous cherchez une aide extérieure. Exactement. Le sénateur pense que la sécurité est dépassée par les événements. Vous rendriez un fier service au sénateur Bark et à la République. Ce qui est très drôle, c'est que il y a dans cette cut, si tu spams espace, tu vois, pour quitter, à un moment il dit Eric Zemmour. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie encore ? Je sais pas ce qu'il raconte. Mais... Bah en fait, si tu spams espace sur cette quête, on dirait qu'il dit Eric Zemmour. Qu'est-ce que tu racontes ? Je sais pas moi, c'est juste un constat. Non mais il a craqué. Je sais pas craqué, je suis sourd. Alors, il y a une quête ici aussi à prendre. Tu sens qu'il a 19 ans ADL quand même. Tu sais, c'est l'âge un peu. Bah t'as l'impression que t'es fort et que les vieux sont tous des cons et en fait 10 ans plus tard tu te rends compte que c'était le contraire. Vous avez pris la quête qu'elle a ? Moi je suis fort avec les cons encore. Je déconne. Ah. Ouais, j'ai pris la quête. Je sais pas ce qu'il faut faire. Moi j'ai parlé au capitaine et j'ai toujours secret volé. C'est quoi la quête héroïque ? Ça là ? Oui. Accepter la mission héroïque plus 2 ? Voilà. Allez. Et là on clique sur le petit bouton, vous avez un petit bouton là à droite de la quête héroïque. Ouais. Et bon, on clique dessus. Allez. Voilà. Merci Daddy. Ah, il y a un nouveau. Enfin, du moins, c'est la première fois qu'il écrit dans le chat. Mao. Oh, du vieux sang. Salut Mao. T'es sur le Discord, Mao ? Parce que je dis ça parce que 90% des gens qui débarquent ici, en réalité, il n'y a pas tant de nouveaux que ça. Ah putain, ils tankent ça. Alors, normalement, je dois faire V en premier, j'avais dit. Et ensuite, je dois faire des E jusqu'à ce que j'ai plus de concentration. Pour les nouveaux qui arrivent sur le chat, là, vous allez voir vraiment comme je joue bien. Regardez, je me fais pas tuer dans le jeu. Arrête de te faire passer pour Wam. On n'a pas du tout la même tête en plus. Il y en a un qui porte une casquette pour cacher sa calvitie, mais qui a une barbe. Et il y en a un qui porte pas encore une casquette parce qu'il a pas encore trop de calvitie. Ah. Il a pas de calvitie. Enfin, la calvitie commence à être à l'opposé de la caméra, donc ça se voit pas. Ah, t'as de la chance. Ah, le petit trick, ces gens. Il a la calvitie, mais dans le bon sens. Et ben, en tout cas, bienvenue à toi, Mao. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Nob du tout? Je voulais me relancer dans l'aventure Sautor et du coup, je mate les streams et faire. Ah, bah voilà, écoute. Ah, bah t'as bien raison. Ah, bah on a un Nalkedu avec nous qui a bien poncé le truc. Et qui n'arrête pas à nous guider, bref. Et sinon, pour info, nous on est des joueurs linuxiens. On est des gamers. Waouh. Wow, attendez, je dois méditer. Méditer de quoi? Simplement pour une santé. Pour esprit. On a un healer. Vous êtes sur quel serveur? Il nous demande. Moi je sais pas, je suis. Léviathan. En vrai, ce serait bien de mettre une commande point d'exclamation Discord. Y'a pas ça. Y'a pas, hein. Non, je pense qu'il demandait le serveur Sautor. Ah, ça. C'est vrai qu'on est à l'ouest, hein. C'est moi, c'est de ma faute parce que j'ai dit. Je sais pas. Vous êtes sur quel serveur? Je sais pas. Regarde, j'ai mis le lien un peu plus haut du serveur Discord. Si c'est ça qui t'intéressait. Je pense que j'ai pas le droit d'écrire, moi, ça, si. Fais ce que tu veux, Adrien. Ah, si. Ah, ok. Ça marche. Ah, pour les liens, Adrien. Ouais, moi je t'ai dit, hein, on te file une clé de stream si tu veux streamer du. Comment ça s'appelle du Eurotruck Simulator. Ça peut être sympa. Du Eurotruck sous Gen 2, ouais. Ouais, carrément, trop stylé. Pour montrer que ça marche, quoi. Tu sais que j'ai fait des streams sur Gen 2, j'en ai fait plusieurs. Hein. J'ai même stream des jeux bien buggés déjà sous Windows. Hein. Parce que j'ai stream du. Comment il s'appelle ce jeu? Du Star Citizen sur Gen 2. Il y en a qui n'arrivent pas à faire jouer à faire tourner un jeu natif. Ouais, c'est clair, sans crash. Si, par contre, après, là, une fois que j'ai viré DirectX 12, là, nickel. Hein. Ouais. C'est la faute du DirectX, évidemment. Ouais. C'est pas la faute du DirectX. Ouais, je me donne une patate. Ah le chat. Non mais on va écrire. Hein. Détection de micro est trop sensible. Oh, on est sur quel serveur Nalkedu? GLA. Non. Tu t'as dit Léviathan. Voilà. T'écoutes rien. Hein. Le seul serveur français. Ouais, j'écoute rien, ouais. T'es des jeunes, hein. Stripoter la nouille, ça rend sourd. Hein. Exact. Alors c'est pas tout ça, mais je suis en train de me faire un V3, les gars. Bah écoute... non, non, c'est parce que je suis en train de défendre ton T9, là. Reste avec nous, hein. Si T9... Aïe. Me donne une patate. Et pourquoi il me focus moi? C'est quoi ces racistes? Parce que c'est ta classe qui fait ça. Ah merde, d'accord. C'est dommage. Bon, vas-y, régène, please. Oui, petit robot. Petit robot, petit robot, là, mon petit robot. Alors j'avais une attaque qui avait l'air bien violente, c'était laquelle? C'était pas elle. Si, c'était elle. Faut que je pense à l'utiliser du coup. Bah là en fait j'ai remarqué qu'il te donne vachement vite toutes les attaques. Avant il te les donnait pas aussi vite, je pense que c'est depuis la 7.1. Vous devez choisir une des récompenses. Petite question, quand on a un inventaire plein et qu'on choisit une récompense, on l'a perdu à jamais? Non, en fait tu peux virer des objets gris de ton inventaire et puis comme ça ça te permet de... Tiens d'ailleurs je vais utiliser ça. Et du coup, ça, on les ouvre, on est d'accord, les combinaisons, je sais pas quoi. Hein? Les quoi? On les ouvre, ces trucs, hein, je suppose. Les coffres? Oui. Ouais. Faudrait que j'aille vendre des trucs. Oh, c'est des trucs nuls, oh, dommage. Ah, moi j'ai eu des bons trucs. Ah, mais attendez, vous allez voir, j'ai un petit truc sympa. Oh, mec, j'attends que ça. Je peux regarder dans mon héritage, ma feuille d'héritage, elle est où? Elle est là. Je vais peut-être pouvoir nous mettre un petit truc sympatoche. Les trucs de vente, c'est où? Ah, tu veux nous acheter du stuff parce que t'es riche? Parce que t'es un ancien joueur? Non. Sous le personnel de terrain, on s'en fout. Courrier. Ah, j'ai que des trucs mieux. Ouais. Y'a pas un moyen pour jeter plus rapidement d'ailleurs? J'ai pas regardé mes FPS, mais j'ai l'impression que c'est le grand calme plat. C'est normal si t'es à V5. Ouais, ouais, mais ça fait exprès. T'as rien de chauffé pour rien. C'est activé quoi, je veux dire. Ah oui, hier ton stream il pixelisait quand tu bouges, t'as dû foirer des réglages OBS. Ouais ouais. J'ai pas touché pourtant mon... Ah ouais, t'avais déjà des problèmes avant. Réglages OBS. C'est bien, bien moche hein. T'avais déjà des problèmes hier, enfin, avant voilà. Hier, plutôt. Si vous voulez pouvoir vendre, vous pouvez utiliser le petit robot de réparation. Oh là là, oh, je suis libre, je suis vide. Je suis vidé de tout objet. Oh merde, putain, j'ai raté le micro. Aujourd'hui, je devais aller travailler, je devais aller rendre un projet, résultat des courses. Je joue avec des quinquagénaires sous Windows. Des quinquagénaires. Qu'est-ce qu'ils disent, les quinquagénaires? Ah, j'ai rien dit. Ah. D'où la calvitie. Oh, ma calvitie, elle est due à d'autres choses. Putain, c'est moi le plus vieux et j'ai pas de calvasse. C'est beau ça. Bon, écoute, hop, j'ai assez vendu de trucs, j'ai assez de place. Moi, je dis next. Allez. Ok. On se tire d'ici. La sortie, je crois qu'elle est par là. Parce que moi, je stream en Wi-Fi là. C'est pour ça, c'est un peu des pertes de paquets de temps en temps, vous m'excuserez, mais... Ah ouais, tiens, d'ailleurs, en parlant de Wi-Fi, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Il y en a qui ont des bons plans pour une carte Wi-Fi AX. Je suis absolument pas un expert en Wi-Fi. En PCI ou peu importe, pas en USB. Moi, je mets les thunes à chaque fois et je prends du Asus. Le seul coup, j'en ai pris une, j'ai pris une Asus. Elle fonctionnait parfaitement bien sous Linux. Et là, avec ma nouvelle carte mère, c'était déjà intégré, donc... J'ai one-shot, c'est fou ça. Et je peux te dire que ça fonctionne mieux. Bah typiquement, là, je stream en Wi-Fi et généralement, j'ai pas de perte de paquet. Zéro. On va passer par... là-bas. Après, j'ai pas d'obstacle, hein. Y a pas de miracle. Si tu mets un mur en béton entre toi et la box, tu peux être en AX. Est-ce que C'est pas une histoire bête qui va t'aider. Voilà, tu auras des pertes de paquets, même si t'es en Wi-Fi 7, même si t'es en Wi-Fi 12. Quoique, j'en sais rien, peut-être que le Wi-Fi 12 passera à travers les murs. Parfaitement. Wi-Fi 12, c'est le câble Ethernet. Ouais, c'est clair. Il a un nom. Il sait qui a pris l'agro. Le cuivre. Le cuivre. C'est dépassé le cuivre. C'est dépassé le cuivre. L'optique. Après, le problème avec le Wi-Fi 12 cuivre, c'est que des fois, le câble Wi-Fi, il est pas bien branché, il y a des faux contacts. C'est vrai. C'est problématique, ça. Faut le pincer quand c'est comme ça. Tu le pinces, tu mets un peu de scotch, problème résolu. Ça vous est déjà arrivé, genre, d'acheter une carte mère et de voir que votre Wi-Fi est bridé par 10 dessus? Enfin, votre Ethernet est bridé par 10, putain. Non. Non. Je n'ai jamais acheté de carte mère. Bah, si t'as un PC, si. Mais un PC portable. Si c'est de l'Ethernet, c'est soit le câble qui est pas bon, soit l'équipement, soit c'est de l'autre côté, quoi. Bah non, parce que j'avais, en fait, sur mon ancienne carte mère ça marchait très bien, et sur celui-là non. J'ai gardé les mêmes équipements. Attends, sinon... j'ai pas vérifié, c'est bien compatible, alors, je sais pas. Sinon, essaie de regarder dans la carte réseau, tu peux avoir éventuellement la piste de désactiver l'auto-négociation, parce que peut-être que si t'as une carte gigabit et qui bascule en 100 mégabits, essaye de désactiver l'auto-négociation ou forcer en gigabit, quoi. Vous arrêtez de vous la péter là avec vos gigabits. Excusez-nous, hein. Avec ce qu'on a, hein. On n'a pas tous des mégabits. Finalement, c'est peut-être pas des quinquagénaires, hein, sur ce live. Moi, j'ai une maturité proche de 18 ans, je dirais. Ouais, c'est vrai, ça. Merci, ADL. ADL confirme, de rien. 19 ans. De rien. Tu vois, on pourrait être potes. On l'est pas, mais on pourrait. Ah, c'est vrai qu'on est ennemis actuellement. Les gars, pourquoi vous êtes partis là-bas? On est plutôt énervés l'un contre l'autre. Ah bah, on veut XP, mec, tu fais quoi? XP, c'est par là. Mais non, c'est... Bref. Moi, je vois des mobs, moi, je vois des XP, hein. Chacun sa mère. Chacun sa mère. Yep. Encore heureux, putain. Pourquoi elle me parle de la carte de la galaxie, je sais pas quoi, la conquête Ah ouais, non, ça tu t'en fiches. Ok. C'est quoi le pitch ici? Oh, il est relativement puissant le robot quand même, hein. J'ai vu qu'il est bon, il est bon. Il est bien, hein. Il fait un peu des DPS quand même. Il faut tuer le robot, c'est ça? Non, il faut lui faire la bise. Il faut tuer. Non. Hop là. Ok. J'ai même pas ouvert les yeux, c'est passé. Et après ça, récupérer les munitions volées. Ça doit être là-bas, je suppose. Hop les forcer la porte de sécurité. Et bonjour. J'attends forcer. Et où est-ce que... Ah bah d'accord. Bonjour monsieur. Ah d'accord, c'était un méchant depuis le début, mais non, pas après tout ça. Je suis le méchant. Ah, je crois que soit mon sabre est invisible, soit je me bats à main nue. bug ton sable sont invisibles. Des fois ça arrive. On n'a pas au bug ma touraine littéralement. C'est la faute de Linux ça encore, hein. Vous me faites jouer sur Linux. Non là c'est la faute de Star Wars, ça arrive. Non c'est la faute de Linux. Ouais j'entends le problème. Et si je le range et que je le ressors? Ouais. Yeah. 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 Je veux pas mourir pour... Agent Gallon, je crois que j'ai trouvé notre voleur. Récupérez les fichiers et revenez vite. Terminé. Je n'ai pas commencé mon interrogatoire. Ça peut prendre du temps. Alors moi je vais pas streamer jusqu'à trop tard. Je vais streamer encore 1h20 à peu près jusqu'à 18h30. Ouais. Parce que sinon ma femme elle va me buter si je stream tous les soirs jusqu'à minuit 1h du mat et que je lui parle plus. Surtout que tu lui avais dit ouais une fois par mois. C'est à dire que je lui avais dit un jeudi par mois, j'ai à peu près streamé tous les jours donc. Ouais. Ou du moins si j'étais pas en stream j'étais avec vous quoi. C'est vraiment dommage quoi. Mais du coup vous après triste. Vous pouvez prendre le relais si vous travaillez pas. Hein. Bah en vrai je peux. Mais si je suis là c'est que je travaille. On t'a pas filé de clé parce que t'es pas assez mature ADN. Je sais. Je fais que le blague et tire. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez déclenché. Pourquoi ça clignote ça? C'est quoi ça? En vrai je dois faire quoi? J'ai pas compris. Parler de l'argent de Diagane c'est que ça. Bah, tu ressors de la zone. Je suis un méchant. Ah. On attend Cardiac. Malveillant. Je suis méchant. Je vais tuer la gentille. Je l'ai tué. Alors que je lui avais dit que je ne le tuerais pas. Je vais lui faire très très bobo, n'est-ce pas Nikki? La boulette. Ah, j'ai fait semblant que j'étais mort. Mais vous êtes complètement taré. Oh, ah, c'est toi qui dis ça, arrête. Il débarque, il joue Chirac. Parler au capitaine d'Ozone, ça c'est où? Bah, ah, c'est Cardiac ça, je reconnais, c'est Cardiac. Ouais, je non, on part dans l'autre sens, messieurs. Ah, c'est maintenant que tu le dis. Ouais, je regardais, j'étudiais la carte, je faisais de la topo. Laissez-moi faire de la topo. Mais le mec est plus rapide que moi, j'ai envie de crever. Il prend sa monture pour faire le kéké là, et au final on est perdu après de nous attendre. Ouais. Voilà, mais comme ça vous faites suivre et puis. Ah, j'ose pas trop faire suivre, la dernière fois que j'ai fait suivre sur toi on est mort. Ah bah tiens. Quoi que c'était le chemin le plus optique ça. Bah ouais, regarde, zéro aggro. Bonjour Miron. Il suffit juste de savoir comment passer, puis comme ça tu prends pas l'aggro. Bon là t'es obligé de prendre l'aggro. C'est nul mec. Tu sais pas guider. Suis les cadavres. Je suis perdu. T'es là. Là si t'es obligé de prendre l'aggro donc. Alors hello. Hello Mirona. Vous m'avez donné envie d'installer ce jeu, bah écoute c'est cool, il est bien. Hein. En vrai ouais, il est tip top, il est gratuit. Ah, il est sur Steam ce jeu en fait là parce ouais, que tout à fait. Il est sur Steam. Sur le stream et tout, mais je joue pas en fait. Il est, sur Steam, il est gratuit et marche nickel sur Linux, qu'est-ce que tu veux de plus? Il combien est multijoueur. Pas grand chose. Une trentaine non? Même moins non? Putain j'ai pas 30 gigas. Quoi Ah je crois qu'il prend un peu plus. Star... Ah, attends, je suis con. C'est écrit Star Wars: The Old Republic. Je crois que c'est 47. Ancienne République en français. Lourd. Attends, pourquoi je suis Cardiac? Je joué il y a plusieurs années. Ah non, mais c'est bon. Ouais, moi aussi, j'avais joué il y a plusieurs années. Là, j'ai repris de zéro avec l'équipe de GLF. Free. C'est un film en plus, de Star Wars. Je suis nul en film. Qu'il y en a des films Star Wars, j'avais pas vrai. Il y en a 9. J'ai jamais regardé ces conneries là. Ah, 9 numérotés et 2 non numérotés. Ouais. Directement il y en a 10 numérotés. Et vous lui répandez en plus. Ah oui. Il vous troll comme pas possible là et vous lui... Non, moi je troll pas, j'ai dû regarder 20 films dans ma vie donc je n'aime absolument pas les films. Adrien, t'es un peu de respect. Je peux pas rester assis trop longtemps pour regarder un film. Ça m'intéresse pas. Je me fais chier dans un film. Franchement, je me fais chier. Même au OSS 117, ça te fait pas marrer. Non. Envie de pleurer. Bah en fait j'en sais rien parce que je l'ai pas regardé, mais. S'il te plaît. Tu sais que t'es perdu ADL là. Ouais ouais, je XP moi. Mais t'XP rien du tout, ça rapporte plus les quêtes. Ouais c'est vrai. Rageux. Il y a seum parce que je suis en avance. Il est là le capitaine. Denzel Washington. On l'attend. Ouais. Wow. On t'attend. Attendez, il y a des voyous qui me cassent les pieds. Oh bah vas-y, prends le temps. Moi j'ai pas besoin d'XP, j'ai mis un booster. T'as plus. Ah c'est vrai, toi tu cheats. T'es sur Linux, oui, Luminora du coup? T'es sur le Discord? Je me rappelle plus. Qui est Luminora? Je me rappelle plus. Quoi, 2,39 € ça? Bref. Allez. Cardiac man. D'après le règlement des forces de sécurité 1195, toute discussion avec un civil doit être la plus brève possible. Faisons vite. Je suis le capitaine Denalson. Le page du sénateur Bark m'a ordonné de vous fournir des informations au sujet des biens. C'est quoi cette arnaque là? Lumi sur Discord, ok d'accord, tout simplement. Ok. Où se trouve la marchandise? Écoutez, je ne mais tu roules sur quoi en ce moment? Si vous voulez le savoir, il va falloir se mettre d'accord. Je me rappelle plus, Lumi. Lumi, t'es sur Fed, non? T'es pas sur Fed aussi? J'ai un doute. Le laquais des 7. Maintenant que vous le dites. Il n'a rien dit au sujet des puces. Manjaro. Personne n'est parfait, mais on te garde quand même. Je n'aime pas le KDE. Ah, double tard. Double red flag. Bon. On va te ban alors. Hein. Parce que Manjaro plus t'aimes pas KDE, à moins pas que t'aimes i3. Bonsoir, Chaosland. Bonsoir. Dans l'immédiat, le problème, c'est que ces puces ont été dispersées dans la base de la guilde des marchands du voyage. Le plus urgent est de réunir toutes les puces. Ensuite, remettez-les-moi. Moi, je dis Adrien, s'il vient jouer, il va jouer côté obscur, lui. Pourquoi il s'en vient jouer côté obscur. Vous pensez engager des poursuites contre le sénateur Barr? Il est mauvais. Il est mauvais, Jack. Trouvez les puces effilées de l'entrepôt de la guilde. Par contre, si t'as jamais vu Star Wars, que tu connais pas l'univers, ça va être compliqué. Brof. Ah, t'as quand même pas mal de trucs, faut connaître un minimum. Ouais, c'est vrai que ça part direct. Ouais, enfin bon, j'ai bien joué il y a quelques années à World of Warcraft sans avoir vu je sais pas quoi. Hein. Lumi, il est sur Manjaro. Lumi, il est sur Manjaro, il nous dit qu'on est des faibles et qu'on aurait pu autant rester sur Windows. C'est vrai, faut prendre i3. Ah, tu vois, finalement, ce que je disais il y a 20 minutes, c'était peut-être vrai. Hein. De quoi? Qu'on se fait chier avec Linux. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? J'ai pas suivi. Parler à l'agent Galen. Non, là, on est sur récupérer les puces volées. Et moi, pourquoi j'ai toujours parlé à l'agent? Ah, si, récupérer les puces. Parce qu'on ira rendre la mission tout à l'heure. On va faire celle-ci dans la zone. Tout à pied. Ah bah putain, c'est tout. J'ai zoomé, c'est plus joli. Bah j'avoue, je suis en POV, en mode première personne. Oui. Ouais, tu peux jouer en mode première personne, c'est trop bien. En mode première personne, c'est tellement nul. Allez, tiens, pour le fun, je vais le faire. Oh, c'est tellement ingérable. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Chaosland? Ben, Win, un jour, il m'a bouffé mon multiboot, c'est ballot. Bon, après, ça va, j'ai su remettre Linux en premier, mais bon, c'est laid quand même. Ouais, franchement, quand on fait des double boots Windows-Linux, le top, c'est d'avoir deux partitions EFI séparées. Mais non! Mais si. Avec le EFI, c'est quand même pas emmerdant. Hein. T'as un fichier EFI dans la partition qui va bien, après t'as juste dans le BIOS à permuter les deux entrées. C'est beaucoup plus simple qu'à l'époque du BIOS où t'avais qu'un... Viens dans le LPMI de GLF, tu vas voir les gens qui se font péter le boot par l'un ou l'autre. Ouais mais c'est chiant pour aider ça parce que... S'ils sont séparés, t'es sûr qu'il n'y a pas d'emmerde toi. Bah j'ai bien un dual boot calculé de Gen 2. Ah mais ça c'est notre histoire, de Linux ensemble ça va. Ah, je trouve que là où les problèmes apparaissent, c'est quand t'as Windows et Linux dans le même EFI. Ouais, non, ça c'est parce que tu veux être méchant, ça, mais... Mais qui a l'idée de garder Windows aussi? Moi. Mais par contre, ce qui est chiant, c'est que quand tu veux aider pour expliquer comment remettre en premier, parce que l'avantage du grub de Linux, c'est qu'il va détecter Windows. Donc depuis le grub de Linux, tu vas pouvoir quand même lancer Windows. Parce que c'est le EFI de grub qui est lancé. Par contre, si tu as effectivement le bootloader de Windows, par défaut, il ne te propose pas une entrée Linux, quoi. Donc tu es obligé de remettre manuellement, effectivement, dans l'EFI. Alors tiens, je réponds à Lumi qui me demande si je compte rester sur Mint. Sur Mint, mais il va pas rester sur Mint vu qu'il est sur Fedora, le coco. Là. Voilà. Il a tout. Je sais pas si t'as vu. J'ai distro hop. Une fois de plus, on ne change pas une distro qui marche. J'ai plus aucun Windows par contre. J'ai que du Fedora monoboot. Mais donc, comme je disais il y a quelques minutes, lorsqu'il y aura une mise à jour de Nvidia foireuse, il va redistro. Bon, non, c'est pas vrai. Tu sais pourquoi c'est pas vrai? Parce que va dans le canal Fedora du distro et lis. Je l'ai lu ce matin. Ce matin, j'ai Nvidia qui a sauté après la mise à jour. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, mais gagne-moi ça là. 25 messages plus. Et j'ai pas lu le truc Fedora depuis le 21 août. Ce matin j'ai eu une update. Je fais ma petite update. Donc il y a Discover parce que je suis sur KDE qui me dit de reboot. Je reboot. Fail to load, Nvidia module, rollback tout nouveau, le classique. Bah, c'est bien, au moins t'es pas avec un écran noir qui fait rien du tout. Attends, c'est que le début de l'histoire. Donc je rollback tout nouveau. Je lance un petit sudo hack mode force pour refaire le module parce que je me dis que ça doit être ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais... Je reboot, ça fonctionne. Au bout de 2 minutes, je crash. Je reboot. Au bout de 2 minutes, je crash. Je reboot. Au bout de 2 minutes, je crash. Je pars au boulot. En rentrant du boulot, j'ai fait un petit DNF auto-purge Nvidia étoile. J'ai réinstallé mon driver et c'était réparé. Donc voilà, t'as menti. J'ai déjà eu une mise à jour Forest Nvidia et je suis quand même resté sur Fedora. Par contre, au bout de la deuxième... Non, bah je vais réparer, je pense. Alors, qu'est-ce qui se passe un peu? Vinny dédicace à Piaf Jaune. C'est drôle parce que finalement, les débats entre les districts, ça me fait un peu penser au débat pain au chocolat, chocolatine. Bon. Oui, sauf que dans ce cas-là, dans ce dernier cas, il n'y a pas de débat, c'est pain au chocolat, quoi. Exactement, voilà, merci. Ah, chocolatine. Ah non, arrête de faire le mytho. Non, le vrai terme, c'est croissant au chocolat. Ah! Ouais, croissant chocolat, j'adore par contre, c'est trop bon. Ah putain, mais pourquoi t'as dit ça, Chaosland? Voilà, maintenant on a un débat pourri là. Ouais, croissant au chocolat. C'est un débat intense qui perturbe ma depuis des générations. C'est ce que vous voulez, on s'en fout. Non, le débat sur les distros, je trouve qu'il est un peu plus intéressant parce qu'en vrai, elles ont, quoi qu'on en dise, elles ont des différences les unes avec les autres. Après. Ouais, il y en a une qui est vraiment meilleure. Ouais, il y en a une qui est vraiment meilleure, c'est Arch Linux, mais après, on arrive à se débrouiller. Pas dessus, hein. C'est la vérité. On arrive à se débrouiller avec tout, hein. Sauf Windows. Mais si, Windows ça marche très bien. Moi vous savez que je suis pas un anti-Windows du tout. Ouais, je sais. En vrai, mais moi j'aime bien Windows, mais j'aime trop vanner ceux qui sont sur Windows parce qu'ils savent pas utiliser leur ordi en général. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En général, c'est tellement pas vrai. Tellement vrai? Non, okay. C'est pas vrai. Si, mec, je te jure. Tu leur demandes d'ouvrir les paramètres, déjà ils galèrent. Parce que tout le monde a récupéré les 7 puces de notification. Il en reste une. C'est un cliché, c'est un cliché. C'est pas un cliché, mec. Ouais, bah, sous Windows 10, tu ouvres le panneau de configuration. Ah oui, lequel? C'est exactement ça. Ah, ça, putain, la pure. Mais où t'as mis en fait, en vrai? Il m'en manque un de clé. T'en as une là, t'en as une ici, t'en as... Ça c'est bon. Moi ça a l'air bon, rejoindre le sénateur, c'est bon. T'en as une là, t'en as une ici. Ça c'est bon aussi. T'as récupéré celle qui était là-bas. Je sais pas, attends. Dans ma direction. Y'en a pas ici. Ici, là. Ah bah oui, du visiblement puisqu'elle est ouverte. Oui, mais est-ce que ça clignote en bleu? Non. Ok. toute façon, sur le chemin du retour, tu vas en retrouver, t'inquiète pas. Bon, tout est un peu. Attends, elle est passée où? Où est-elle? Non, il est trop bien ce jeu. Il est trop bien ce jeu. Si tu tournes sur Linux quoi. En plus, il tourne sur Linux. C'est pas comme 80% des jeux maintenant en fait. Hein. Ah, on a fait manquer ça. Je crois qu'on a passé les 80% de jeux Steam compatibles. Oh, facile hein. Ouais. On est à 84 ou 85% des jeux compatibles. Allez, on peut aller voir le capitaine. Avec Proton GE encore plus en plus. Avec Proton GE encore plus, tout à fait. Oh, mais d'où je prends l'aggro d'ici moi? C'est pas que tu sais pas PvP quoi. Pareil à un agent qui avait. Ouais, c'est bon. Je pense qu'on est vraiment à un bon niveau là sur Linux et il manque quelques petits chantiers à terminer. Mais typiquement quand Wine, à la prochaine version de Wine avec compatible Wayland et du coup la prochaine version de Proton qui ira avec. Ça m'étonnerait pas qu'on passe les 90% de jeux compatibles. Même pas vraiment de rapport avec Wayland, mais on va tellement vite. Les derniers résistants seront ceux qui bloquent Linux volontairement avec leur anti-cheat. C'est ça. C'est exactement ça. Ah non, voilà, il y a Chaosland qui demande même avec les logiciels anti-cheat, bah non. Si les mecs ont décidé que ils bloquaient Linux, bah, typiquement, comment il s'appelle, je sais pas moi, Fortnite. On revient à DL, c'est de l'autre côté qu'on va. Mais un robot géant. Comment ça c'est pas de ce côté? On peut se le taper. Ah mais... Il y a un robot géant. Bah oui, attends, on va pas passer à côté de ça. Ouais, sois pas méchant comme ça, laisse-nous nous battre avec le robot géant. Merci. Laisse-nous nous battre là. Ouais. On va mourir, hein, mais c'est pas grave. On va mourir? Nous? Jamais. Peut-être. Ouais. Je l'avais dit, hein. Ah merde okay. Les mecs, ils veulent attaquer un boss de planète. À 3. Trop nul, ce gars, il sait pas nous quitter. Je savais pas que ça se faisait pas. Pourquoi tu nous l'as dit après qu'on soit mort? Ça. Qu'est-ce qu'on fait? Retour au centre médical? Voilà. Pourquoi tu nous l'as pas dit avant qu'on décède? Ah, pour vous laisser la surprise, sinon c'est pas la surprise. Au moins on s'est battu, on a eu des divertissements, c'est bien. C'est par là. Je viens de faire la mage et v'là que mon Steam ne démarre plus. Allez, en direct. Mec, faut Flatpak hein. Quel distro? Ah oui, Flatpak ou pas Flatpak? Le Flatpak c'est la vie. Flatpak, oui. Tape Flatpak 2-repair. Et dans le doute reboot, ouais, mais fais-toi un Flatpak repair d'abord. Non, moi faut que je reboot aussi, j'ai mis à jour mon carnet. Ah, toi aussi? Ouais. Parce que reboot déjà. Parce que j'aime le risque. Pour péter Steam Flatpak, il faut le faire, les gars. Oh! Oh. D'ailleurs, en parlant de kernel, là, j'ai eu l'occasion de mettre à jour mon super kernel en version 6.1.46. Je n'ai pas remarqué de perte à l'œil. Hein. J'ai pas des calculateurs de FPS et tout ça, mais j'ai pas remarqué de perte de performance hein, avec la correction des failles AMD là. Écoute, il y en a qui en ont eu, moi j'en ai pas non plus. Sur les jeux auxquels je joue, j'ai pas eu de perte de perf. Oh, j'ai pas eu de perte, hein. Ça marche très bien. Et donc j'ai essayé par curiosité de mettre la ligne de commande qui va bien là. Au niveau du Grub. Ah mais oui, d'accord. Avec mitigation off, là, c'est pareil en fait. C'est vrai que t'es sur Manjaro, cherche pas plus loin. Ah bah ah mais attends, mais en même temps, tu cherches les embrouilles quoi. Alors par contre, tu, dis que tu vas sur Fedora, ça... je suis pas sûr. Hein. je suis pas convaincu. Par contre, ça invalide le fait que le paquet universel Flatpak, peu importe la distro, ça marche quoi. Non, non, mais je blague bien entendu. J'y crois pas du tout à ce que Manjaro pète Steam Flatpak. J'y crois pas du tout, du tout. Essaye un Flatpak repair ou un Flatpak c'est reinstall all, je crois, ou un truc comme ça. Cherche un peu sur internet, j'ai un doute. J'ai Flatpak Repair et Flatpak Reinstall All. Et tu reboots. Et si ça répare pas, bah, je sais pas. Manjaro. Ah ouais, Chaosland, si oui, si. Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui, on est le mardi 29 août 2023 et dans ce live, on voit Cardiac Man jouer avec ses petits copains à Star Wars. C'est mieux comme ça l'intro. Star Wars. Star Wars. Astérix. C'était pas Adrien. C'était pas Adrien. Mais j'aurais aimé que tu fasses durer le lien un peu plus longtemps. Genre, c'est Adrien. Et tu sais quand même que plus ça va, plus j'essaye de raccourcir ce lien qui m'insupporte quand je me réécoute. Non, franchement, c'est trop bien. Adrien. Non, c'est pas trop bien, c'est trop bien. C'est trop bien. Non, mais j'essaye de. Parce que je me dis, ça fait vraiment pas sérieux, quoi. Mais. Non, moi je trouve que c'est parfait. Écoute. Non, ça va. Ouais, c'est marque de fabrique, on s'en fout un peu. C'est ça? Ouais, c'est un peu ça, c'est une marque de fabrique. Ça fait partie de l'identité de la chaîne. Là, on va tout en haut. J'ai envie de te dire, j'ai remarqué que tu l'avais diminué et il me manque. Voilà. Il me manque. Non, non, c'est vrai. On a perdu le D il n'y a pas très longtemps. Parce que tu regardes les premières vidéos, c'était salut à tous, ici Adrien D. Donc forcément, je pouvais pas mettre de lien parce qu'il y avait le D derrière. J'ai dit le D, il fait chier là. Donc je vais l'enlever. Et pourquoi D, bah, et c'est la première lettre de mon nom de famille, tout simplement. Et oh, souvent le pseudo Adrien était pris sur des forums. Donc, bah, voilà, j'avais mis la première lettre de mon nom de famille. Et puis voilà. Et donc, quand j'ai fait les vidéos, bah, c'est resté là. Puis après, il y a un moment, je me suis dit, bah, ça sert strictement à rien dans les vidéos. Et donc je l'ai enlevé, mais forcément bah, pour comparer, pour compenser cette perte de lettres, bah, j'ai fait un. Alors que tu vois, si je dis salut à tous, ici Linuxtricks, bah tu vois je peux pas dire c'est Linuxtricks. Bah la preuve que si. Salut à tous, c'est Linuxtricks. Faudrait que j'essaye de changer une fois l'intro. Je suis sûr que je change l'intro en mode discretos sur mes vidéos. Je suis sûr que j'ai une quinzaine de commentaires. Ah mais t'as changé ton intro. Bah oui c'est sûr, c'est évident. Il y a Vinny qui hallucine. Il nous dit la première fois je vois un stream, ça parle de Linux, ça répare en même temps. Et bah, figure-toi qu'ici ça arrive souvent. Très souvent. Ouais, ça arrive très souvent que je répare des fois. Des fois ça répare même le streamer. C'est pour dire. Des fois on répare même le streamer. Si c'est Nalkedu qui stream, on répare ses crashs en direct. C'est ça. RP Windows. Parler à la jungle. Okay. À la jungle. Il est là-bas. J'ai l'air d'avoir une quête à gauche et une quête à droite. Ouais, et encore t'as pas la quête des grilles. Les grilles sont trop marrants. On va à gauche d'abord. On va rendre. Moi je suis chaos, hein. Je ne réfléchis pas. Bah normalement t'as qu'une seule quête. Ouais, je vais à gauche, ça va. D'ailleurs profitez-en, hein. S'il y en a qui ont des questions sur Linux. En plus on a Adrien. Donc, ouais, si vous avez des questions sur Linux. Est-ce qu'on prend ça on prend sénateur ou pas? Pas sénateur? Ok. Non, j'ai pas le sénateur. Il y a un petit truc, il y a écrit sénateur Narine, je sais pas quoi. On pourra aller se la faire si vous voulez, c'est par là. Ah, vas-y, après. J'ai vos fichiers. Non, mais le mec, il pouvait pas simplement mettre la pièce devant et faire un labyrinthe. Ah non, sinon, c'est pas drôle. T'as raison. C'est pas très rigolo. Vous avez retrouvé l'équipement militaire volé. Bien, il nous sera utile. Il y a moins de fun là. Moins de fun, go. Putain. Ah, je te mettrai sur la miniature, Adrien, du replay. Fit Adrien D. Oh, tu parles. C'est le bâtiment le mieux protégé. Mais du coup, il faut nous faire une imitation de Chirac, sinon c'est nul. Fit un président de la République. Fit Chirac. Fit Chirac. Ils sont dans un cul-de-sac. Mais vous êtes fous. Oh oui. Oui. Et vous êtes fous. Ça fait un bail que j'ai pas entendu celle-là. Ils sont trop nombreux pour elle. Cette idiote de Padawan va se faire massacrer. Je lui ai dit d'attendre, mais elle m'a ignoré. Le signal de Kira venait du spatioport. Il cherche sûrement à emmener le professeur sur une autre planète. Il faut que vous arrêtiez les ravisseurs avant... Ah, t'as pas besoin de mettre mon... T'inquiète, bébé, j'arrive. Hein. T'as pas besoin de mettre que j'étais là. Hein. Vincent. Ah, mais c'est Vincent, d'accord. Et j'ai pas encore Linux. C'est quoi Flatpak? Ça a l'air autant utilisé que décrié. C'est déjà bien résumé. J'avoue que c'est pas mal. Franchement, t'as déjà c'est comme bien... Snap. C'est bon, il a tout dit. Allez-y, allez, je tente et Adrien, tu me dis après si tu valides ma tentative. Flatpak, c'est une technologie de conteneurisation qui permet en fait de livrer avec l'application que tu télécharges les librairies qui vont bien avec. Donc en fait, voilà. C'est comme quand tu télécharges ton... À mon avis, tu perds tout le monde. Là, tu perds tout le monde. Ouais, mais attends. J'allais rentrer dans les détails. Vas-y, rentre dans le détail. En gros, sur ta distribution, soit tu peux avoir le... Tu peux télécharger ton application, par exemple Discord, des dépôts de ton application... Et tu vas avoir le gestionnaire de paquets de l'application qui va se charger d'aller chercher les dépendances. Ah ouais, non, on s'en fiche. Non, on s'en fiche de ça. Ah, j'ai accepté, moi. Ah, Tiens, là, y a un petit truc. Avec le Flatpak, en gros, tu télécharges un conteneur, une boîte, avec déjà tout ce qu'il faut dedans. Donc, théoriquement, c'est kiff-kiff. Sauf que l'avantage du Flatpak, un des avantages du Flatpak, c'est que, du coup, vu que le conteneur, c'est le même pour tout le monde, il est censé fonctionner partout pareil. C'est-à-dire que t'es Debian, que t'es Fedora, que t'es Arch Linux, on s'en fout. Tu télécharges le Flatpak de Discord, tout le monde a le même Discord avec les mêmes dépendances qui viennent avec et tout a la même version. Voilà. Après, on pourrait rentrer longtemps dans les détails, mais comme c'est un conteneur, comme c'est une boîte, ça peut avoir des avantages niveau sécurité, mais ça peut aussi avoir des inconvénients de complexité d'utilisation. Parce que tu peux avoir la sécurité qui est un peu trop haute par défaut. Je prends un exemple sur Android. Sur Android, tes apps, quelque part, elles sont conteneurisées. Enfin, pas quelque part, elles sont conteneurisées, tes apps. Et quand tu lances pour la première fois, par exemple, je sais pas moi, Messenger, et que tu veux utiliser la webcam, il te dit, est-ce que vous êtes d'accord que Messenger utilise la webcam? Oui, une fois. Oui, à chaque fois que l'application démarre. Non. Eh ben ça, t'as pas ça sur Flatpak. Et donc, des fois, tu peux avoir des Flatpak qui sont un peu trop serrés niveau sécurité. Typiquement Steam. Le Flatpak de Steam, par exemple, ne peut pas accéder au HDD externe par défaut. Ce qui fait que quelqu'un qui a ses jeux sur un disque SSD ou HDD externe, eh ben, il va un peu galérer avec un Flatpak parce que par défaut, le Flatpak est un peu trop sécurisé, je trouve. Et il n'aura pas ce genre de message qui va dire « Est-ce que vous voulez ?» Non, il va falloir se frapper une bonne ligne de commande ou passer par un logiciel qui s'appelle Flatseal. Et c'est pour ça que Flatpak est à la fois décrié et à la fois encensé. C'est parce qu'à la fois, il règle pas mal de problèmes et à la fois, il peut en causer à d'autres moments. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Adrien? Ouais... Bah vas-y, rajoute ta petite touche. Oui, non, mais j'allais juste te dire que c'est des paquets universels qui sont qui ne sont pas proposés par les développeurs de la distribution Linux et voilà, c'est tout. J'allais faire un truc beaucoup plus simple, quoi. J'allais pas rentrer dans le conteneurisation, dans le... Ah, mais c'est parce que je le connais, Vincent, je sais qu'il veut des détails. Ah, bah voilà. C'est un bon bavard du Discord, je lui aurais dit, ouais, c'est un paquet universel. Il m'aurait dit, what? J'en veux plus. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, les gars? J'ai parlé à Kira Carsen, c'est ça? C'est ça, il faut qu'on aille parler à Kira. On peut récupérer la mission qui est là, il me semble. Ouais, ça lag un peu là. Non, ça lag pas. J'ai accepté au moins 5 quêtes en tout. Est-ce que c'est... Non, mais c'est des quêtes JCJ, ça sert à rien. Oh, bah je les abandonne. Comment on traduit Flatseal en français? Le phoque plat. Bien vu. Attends, Seal c'est un phoque, mais Seal c'est pas aussi verrouillé? Seal, SEAL, hein. Moi, ouais. Seal, c'est les forces spéciales américaines aussi. Ouais. Moi, ça me fait plus penser à ça, mais... Si, c'est serré, non? Ah, il y a Davius qui est revenu, Redavius. Bah, ça dépend si c'est le verbe ou si c'est... Ah, j'ai entendu quelqu'un a quitté. Ah, Nalkedu, t'as crash? Non, je suis là. C'est moi, c'est Discord. Je connais cette théorie. Ah. Le SEAL ça peut être SEAL, hein, ça peut être... Alors attends, je en plus là du coup. Je fais du dépannage dans le Discord en direct. Mais après, dans le Twitch en direct. Allez, au Twitch. C'était une manière pas vraiment subtile de capter mon attention. Alors pour lancer le Flatpak de Steam par terminal pour voir ce qui se passe, je t'ai mis la commande... Lumi. Ah ouais. Comme ça tu peux nous dire ce qui se passe dans le terminal. Tu sais que j'ai jamais essayé de lancer dans le terminal. J'espère que vous avez activé les sous-titres les gars, parce que sinon vous allez rien comprendre. Ouais ouais, bah je lis pas de toute façon. Ah bah t'as dû comprendre le dialogue du coup. D'ailleurs, qu'en est-il de la cybersécurité, virus, tout ça, niveau Linux ces dernières années SVP? Si Linux est de plus en plus utilisé, peut-on être amené à avoir davantage de risques? Assez de... nanana... Alors... Il y a énormément de virus hein, sous Linux et des ransomware, là c'est à la mode. Hein. Puisque Linux est quand même utilisé sur un bon nombre de serveurs sur Internet. Ouais, mais c'est serveur web, les serveurs qui vont être ciblés que le particulier, que le... Oui, mais, serveur... si t'as un ransomware, alors on va parler en français, un rançongiciel qui est développé pour des serveurs et peut fonctionner aussi sur ton poste de travail. Quoi. Ah oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que toi, l'utilisateur lambda, t'as moins de chances de tomber dessus voilà. Que... Davius, il dit tout SIL, c'est scellé. Moi, oui. C'est ce que je comprenais aussi pour PlatSIL. Ah oui, mais SIL... SIL, le... Ah, c'est un FOC aussi, mais... Le nom, oui, THE SIL, un FOC. Un FOC. Un FOC. What the fuck? C'est ce que je disais. You fuck my wife. C'est un joint. C'est casino, ça. Et c'est le joint, tout SIL de SIL. Moi j'aimerais rajouter sur l'histoire des virus que de toute façon les nouveaux virus ils savent cibler à peu près tous les systèmes, mais de toute façon le meilleur antivirus c'est l'utilisateur. Après sous Windows, moi j'ai pas d'antivirus sur le PC Windows qui est dédié à un usage particulier. Mais voilà, après c'est... Si tu fais attention sous Linux, bah, c'est pareil sous, que sous Windows quoi. Oui. Moi je pense que les virus, tu les attrapes strictement de la même façon sur tous les systèmes avec plus ou moins le même risque, c'est-à-dire en cliquant n'importe quoi, du style vous avez gagné un iPhone 14 à 1 € et... Vous allez rien comprendre de ce qui va se passer dans le dialogue. Et tu commences à télécharger des trucs, tu vois. Après le seul inconvénient de Windows, c'est que bah, en fait tu vas sur super site où je télécharge des logiciels.com, et ben t'as tout ce que tu veux et de la merde. Ah, alors que Linux, tu vas passer par Flatpak ou par Snap ou par ta distro. Mais je pense que c'est exactement le même problème. Ça veut dire que, imagine, sous Linux, t'as plein de logiciels, payants et t'as pas envie de payer le logiciel et tu veux aller chercher un petit utilitaire qui vient débrider gratuitement un logiciel payant, bah de la même façon. Avoir bah, un à partir du moment où quoi. Tu fais des trucs illégaux, à partir du moment où tu vas sur ces sites-là, tu as un gros risque. Hein. Et que tu sois sur Linux ou Windows, ça va rien changer. Hein. Donc après, bah, tu as plein d'antivirus sous Linux, hein, évidemment. Mais tu n'as pas d'offres gratuites, mis à part Clamav, mais qui est très... tu n'as pas le scan en temps réel, mais en fait, Clamav, c'est un antivirus, ça sert à rien aujourd'hui un antivirus, parce que un antivirus, qu'est-ce que ça fait? T'as un logiciel qui va être lancé, l'antivirus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder, il va calculer l'empreinte, donc une marque du fichier, et il va la comparer à une base qu'il a en mémoire, et s'il y a quelque chose qui correspond, il va dire c'est un virus, ou enfin ouais, il va te sortir ce qu'il y a dans sa base. La réputation, mais les nouveaux virus, ils savent éviter ça aussi. Mais sauf que maintenant, vu que tu as tellement de logiciels, les bases antivirus, elles peuvent pas suivre, quoi. Et donc, aujourd'hui, la mode depuis quand même 3-4 ans, c'est d'avoir un EDR, et non pas un antivirus, un EDR pour Endpoint Detection and Response, avec mon superbe anglais. Et en fait, cet outil-là se comporte comme un antivirus, mais juste il va analyser comment fonctionne le programme. Et donc, si tu as un programme qui est inconnu d'un point de vue signature, mais qui va lancer un CMD, qui va lancer une commande RM, qui va lancer un truc comme ça, c'est là qu'il va bloquer. En fait, il s'appuie sur le comportement des applications et l'interaction entre tous les programmes qui sont lancés entre eux. Et donc ça, bah, ça des EDR, il y en a, à ma connaissance, pas des gratos pour Windows. Et donc c'est pour ça que ça, c'est utilisé en entreprise, et donc il y a plein d'EDR. Donc les Kaspersky, ce qu'on veut, comme on connaissait à une époque, ça n'a strictement plus aucun intérêt aujourd'hui. Une mission de Jedi. Surtout dans la façon dont les programmes sont... Ah, là, le meilleur antivirus, c'est vous-même, les gars. Comptez sur personne, le meilleur antivirus, c'est vous. Téléchargez pas n'importe quoi. Cliquez pas sur n'importe quel lien. Le meilleur antivirus, c'est vous. Et du coup, tu demandes avoir des logiciels corrompus par des virus dans des magasins de logiciels comme sur Zorin ou quoi, sur Linux, je pense c'est pas possible. Parce que en fait, dans Zorin, tout ce que tu as, c'est les paquets d'Ubuntu, quoi, concrètement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les magasins d'applications sous Linux, là je parle juste des magasins d'applications, les paquets sont signés. Ils sont signés par une clé spécifique, donc tu as la clé publique sur ton système, qui vient juste vérifier que la signature du paquet est correcte, et tu as les développeurs de la distribution, Ubuntu, Fedora ou autre, ils gardent bien précieusement une clé privée qui sert à signer le paquet. Et donc si toi, quand le RPM, si tu es sur Fedora, ou le Deb, si tu es sur Ubuntu, se télécharge et que la signature n'est pas conforme avec ce que tu as sur ton système, pour vérifier la signature, bah, il va te dire attention, ce paquet n'est pas signé ou la signature est incorrecte. Donc tu as ce garde-fou là. Après, c'est sûr que... C'est d'ailleurs pour ça que quand tu vas télécharger Google Chrome sur Internet et que tu installes pour la première fois, souvent on te dit bah, la signature n'est pas correcte ou tu as une commande à faire avant pour ajouter la signature, à la clé qui permet de vérifier la signature du logiciel, quoi. Mais après, c'est sûr que si tu vas prendre n'importe quel programme sur GitHub ou je sais pas quoi, un deb qui vient de je sais pas d'où, puis tu l'installes, bah, t'as exactement le même rythme qu'avec le exe tout pourri que tu vas récupérer sous Windows, quoi. T'as exactement le même problème, sachant que pour installer un deb ou un RPM, bah, tu dois avoir les droits root, donc les droits superadmin. Donc au moment où le paquet est décompressé, bah, si tu as un script de post-installation qui vient installer un programme malveillant, bah, il s'installe, et vu que au moment où tu l'installes, le paquet va tes routes. Bah, voilà. Bonsoir Christophe. Salut Christophe. Salut Christophe. Ce qui va être intéressant sous Linux, d'un point de vue sécurité de base, et je dis juste de base, c'est que quand tu vas télécharger un fichier et que le fichier il arrive sur ton système de fichiers, comprendre par là disque dur. Et ça t'est peut-être arrivé si tu es sous Linux, si par exemple tu télécharges, je sais pas moi, un app image qui est une petite application portable ou autre, et puis que tu double-cliques dessus, bah, il se passe rien, quoi. Ou que tu télécharges un script et que tu cliques dessus, il se passe rien, parce que par défaut, quand un fichier il est écrit, il n'a pas le droit de s'exécuter. C'est à toi de faire soit la commande chmod plus x en ligne de commande pour rendre exécutable un script, soit tu fais clic droit, propriété, puis tu coches la case permettre l'exécution, enfin en tout cas autoriser l'exécution de ce fichier ou un nom comme ça. Et donc ça c'est déjà une première protection, parce que le fichier il arrive sur ton système, bah, il peut pas se lancer de lui-même, il y a déjà une action manuelle pour que tu le lances toi-même. Là où Windows, bah, tu télécharges un exe, tu double-cliques dessus, bam, ça y est, c'est parti. Ouais. En gros, t'as un virus sur Linux, faut que tu l'installes. Et après, tu l'installes volontairement, sans savoir que c'est un virus, mais il faut que tu l'installes ton virus. Et après, suivant les distributions Linux, tu peux avoir des systèmes de protection supplémentaires. Tu penses quoi du coup, toi, Adrien, de ces Linux et de app Armor? Ben justement, c'est ce que j'allais dire. Tu as des couches comme ça supplémentaires qui sont. Alors, je traduis toujours SE Linux ou app Armor comme étant des, j'allais dire des pare-feux. J'aime bien cette expression, le pare-feu de logiciel et de droit d'accès, quoi. Même si un pare-feu, c'est pas ça, mais c'est pour illustrer que c'est un programme qui vient vérifier que tel ou tel programme a le droit d'écrire dans tel ou tel dossier, enfin vérifier les permissions. Et je trouve que c'est une bonne... c'est quelque chose qui est très pénible à paramétrer, surtout SE Linux qui est beaucoup moins permissif qu'app Armor, mais c'est essentiel, quoi, parce que ça ajoute une couche de sécurité en plus, quoi. Donc ça veut dire que même si l'administrateur fait n'importe quoi, met des droits ou fait je sais quoi, attention, tu vois, t'as encore le mécanisme qui dit non, moi c'est pas prévu pour être écrit là-dedans, c'est niette, quoi. Et donc c'est à toi de modifier dans le système de sécurité, et ce Linux par exemple, de dire non mais moi je veux quand même que tel programme puisse écrire dans tel dossier. Donc c'est important, quoi. D'autant plus peut-être sur des systèmes mutualisés ou des serveurs plus que sur des stations de travail, quoi. Ok. Merci pour tous ces éclaircissements, chef. Alors, bah, finalement, tu peux mettre peut-être un petit featuring Adrien, finalement, sur la jaquette. Allez. Bah, je parle plus que prévu. Ah, comme d'habitude, hein. Attends. En fait, c'est le retour du podcast. on sait que t'es bavard. Ouais, alors c'est le retour du podcast, mais où il fait largement moins chaud. Ouais. C'est vrai que Kenku est passé... Enfin, l'été est passé. Largement moins chaud, il fait encore 25 hein, dans la maison. Hein, mais... Ouais, non, mais c'est mieux quand même, parce que c'était invivable la semaine dernière. Il fait 25 dedans, 16 dehors. Hein. Alors moi, ça va, pendant le podcast, j'étais tout nu, donc ça allait mieux. Bah oui, c'est... Attends, t'étais vraiment tout nu. Ah, j'ai... toujours. Oh putain. Là, je me en fait, tu mets juste un t-shirt quand il stream. Ah là, si, je peux pas me lever, hein. Je peux pas me lever du ciel. Il a peut-être un t-shirt crop top, là, comme on dit, là, c'est découpé au niveau du nombril, là. Non, il fait un petit nœud, tu sais, comme à l'époque. Alors, par contre, je réponds à Lumi, si tu désinstalles et réinstalles Steam Flatpak, oui, le dossier de jeu, il va rester, puisqu'il est dans le temps home. Tu fais CTRL-H pour afficher les fichiers cachés, et il est dans var Flatpak Steam. Le problème, c'est qu'en fait, il y a quasiment tout qui est là. Donc si tu veux vraiment bien clean ton Flatpak sans retélécharger les jeux, ce que je te conseille, c'est d'aller fouiller dans ce dossier pour récupérer tes jeux, ben, comme sur Windows, dans Steam Apps Common, là, de récupérer le dossier, de le copier-coller quelque part, n'importe où, de toute façon, même de le couper, moi ça va vite, c'est sur SSD, ça va vite, de clean le Flatpak de Steam, de supprimer ce dossier, de tout réinstaller, et de recopier-coller tes jeux au bon endroit dans le dossier, donc .var, application, Steam. Sinon, tu sais que dans le cas de Steam, dans .var, attends, je vais regarder vite fait parce que c'est facile. Ah bah attends, je vais regarder parce que je suis en stream. Dans var app, machin, tu enlèves juste le dossier cache config et tu gardes le dossier data. Ah, pas mal ça. Parce que dans le dossier data, ah non. Document, hop, CTRL H. Voilà. Dans var app Steam, voilà, il est là ton Flatpak de Steam en fait. Enfin, t'as une partie qui est... Pour enlever le dossier config et le dossier cache, quoi. Voilà. Et tu gardes le data. Et là-dedans, voilà, dans data, hop, Steam... c'est où, c'est Steam App... Voilà, Steam App Common. Ah, ils sont là tes jeux, tu vois, j'ai Baldur's Gate, Cyberpunk, et j'ai Proton aussi. Moi, si tu veux faire un super clean de Steam, pour le clean mais vraiment à fond, ton Steam Flatpak, tu gardes que les jeux que tu copies-colles quelque part et tu me supprimes tout ça. Tu supprimes le Flatpak, tu supprimes tout, tu réinstalles et tu remets que les jeux. Quand tu vas relancer ton Steam, il ne va pas les détecter. Une fois que tu les auras recollés dans Data, Steam, Steam App Common, une fois que tu les auras recollés dedans, il ne va pas les détecter, Steam. Par contre, quand tu vas relancer l'install, il va les détecter. Là, par exemple, si tu relances Cyberpunk, il va juste faire la vérification. Ce qui est quand même beaucoup moins lent que de tout retélécharger. Donc, sinon, voilà. Sinon, il y a une commande hein, pour Flatpak. Oui. Je l'ai marqué sur mon site. Ouais, il y a une commande pour tout supprimer. Ouais. Et figure-toi que KDE te le propose. Si tu es sur KDE et que tu désinstalles par Discover, il te propose, après la désinstallation d'un Flatpak par Discover, de supprimer également les données sur un KDE récent. Oui, ce sera proposé sur GNOME Logiciel 45. Et là, ça sera en plus sur GNOME à partir de GNOME 45. Donc ça, c'est top. Et sinon, voilà, vous savez, vos Flatpak, quand vous les supprimez, il reste quand même ce dossier-là, qui est donc dans les dossiers cachés qu'on a fait apparaître avec CTRL-H dans var app. Et là, il y a tous vos Flatpak. Et si vous voulez faire un clean total, soit il y a une commande terminale que bah, on ne se rappelle plus avec Adrien. Ouais, j'ai récupéré ça. Mais alors, par contre, il faut que le Flatpak soit installé. Tu fais Flatpak uninstall, ah, bah, voilà. Le nom du Flatpak, -delete data. Voilà. Et par contre, si le Flatpak est déjà désinstallé, je ne sais plus, j'ai dû la noter quelque part. Je montre la commande. Hop. Donc il y a Adrien qui nous a mis la commande là, hop. Donc Flatpak uni install le nom du paquet delete delete data. Ça supprime tout d'un coup. Donc là, tu n'as plus tes jeux, tu perds tout. Si tu fais ça, que tu n'as pas sauvegardé tes jeux avant sur Steam. Si tu fais Flatpak, une install, le nom du Flatpak, enfin le nom de Steam, delete data, là, ça te vire tout. Et ça, c'est un truc pratique avec les Flatpak et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien Flatpak. Parce que du coup, un logiciel qui bug et qui du jour au lendemain ne marche plus, ça arrive sur tous les OS en fait. Ça arrive sur Windows, ça arrive sur Debian, ça arrive sur ce que tu veux. Et parfois ça t'en fout partout. Genre un Steam pété sur Windows, ça m'est déjà arrivé. Ou un Steam pété sur Linux mais installé en paquet, ça m'est déjà arrivé. Et comme tu as des fichiers de conf partout, pour le supprimer et le réinstaller proprement, tu te fais chier comme pas possible. Tandis qu'avec Flatpak, vu que c'est containerisé, tu supprimes le Flatpak, tu supprimes ce petit dossier-là, où tu utilises la commande uniinstall -delete -data, et il reste plus rien, et tu peux facilement te faire une réinstall propre. Bon, du coup, les gars, je suis perdu, hein, parce que du coup, j'ai arrêté de jouer, je vous ai pas suivi. Tiens-nous au jeu, Lumi, si tu répares. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, les gars? Je sais pas. T'en es où? Bon, je peux faire de la baston et libérer l'otage. Je continue d'acheter ma musique. Je viens de me faire assommer, je crois. Ah non, il y a un Roukmout qui s'est fait assommer. Roukmout qui... Et il y a un mec avec une jolie barbiche. Moi, je dois faire quoi? Je dois parler à un agent à Ganen encore. Fermer les valves sud-ouest d'hyper-réservoir, c'est quoi ça? C'est l'émission gris, bisecteur noir, parallèle bleu, et donc on a sauvé le concave jaune. Fallait suivre les gars aussi, hein. Bah j'ai pas suivi, il y a tellement de discussions. Hein. Ça m'a coupé du film. Non bah en vrai, moi je m'en fous, je connais l'émission par cœur donc... Moi je la connais pas, je sais plus ce que je fais là, je sais même pas ce que je fais. Non mais tu nous embêtes pas, hein. On répond aux questions. Ah oui, oui, non. Ah, moi, je suis plus à l'aise pour répondre aux questions Linux qu'aux questions Star Wars. Hein. Le jeu, pour moi, c'est un peu une excuse pour parler de Linux aussi. Hein. Enfin, c'est cool. Moi, ça me dérange pas de faire du support pendant que je joue. Enfin, tant que je fais pas que ça, tu vois. Tu t'es comporté comme un vrai Jedi, Kira. Après, bon, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas Starfield où tu vas découvrir l'aventure. Tu te mets dans ton... Vous m'avez dans ta bulle. Non, mais en vrai, moi, je vais me mettre dans ma bulle, les gars. Pas de spoil, rien. Je joue. Tu sais. Ah, moi, je vais streamer Starfield, c'est sûr. C'est comme Red Dead 2. Je coupais le téléphone, tout. J'étais dans ma bulle. En mode cowboy. C'est ça. Qui dit que cowboy? Tu vois, j'avais mis un peu d'herbe par terre chez moi, j'avais mis des faux chênes, j'avais mis un petit cheval à côté, hop. Il a demandé plutôt t'as un cheval chez toi? Il dit oui. Attends mais je sais pas maintenant, genre il y a écrit pareil à Jean-Ca Ganel, je sais pas. Bah faut sortir de la zone maintenant, une fois que t'as fait ça. Mais c'est où la sortie? Bah par là où t'es venu. Ah. Joli Kira, bon travail. Le soleil noir est un immense syndicat du crime. Peut-être aller me faire un petit café, moi. Mais il faut se dépêcher de le sauver. 7h57. Moi j'ai ma femme qui va m'appeler dans 3 minutes. Bah si tu veux, on s'arrête là. Non. J'arrête quand elle arrive. Ok. Vers 18h30, elle va arriver le temps d'entrer du boulot. Faut bien qu'elle travaille pour que je puisse jouer. Kiki. Bah oui. Je comprends. Qu'est-ce que je dois faire? Remédier. Ah non, ça c'est le chat là. Moi je dois faire quoi là? Parler à l'agent Galen, c'est que j'ai fini? Oui. Et comment je sors de là où je suis? C'est en bas? T'as la petite flèche qui t'indique sur ta carte, la petite flèche violette. Yeah. Alors... Hop. C'est trop bien d'avoir un Adrien Linuxtricks qui répond à tes questions quand ça fait des années que tu tombes sur ses vidéos. C'est une star, Adrien. Pardon, attends, j'ai pas entendu ce que t'as dit, j'avais de la... Je préécoutais un morceau de musique avant de l'acheter et c'est 10 fois plus fort que le stream, donc j'ai pas entendu. T'as Vinny, il est content que tu sois là, parce que ça fait des années qu'il regarde tes vidéos. Ah, et tu lui réponds en direct. C'est cool ça. Bah ouais. C'est vrai que c'est cool de pouvoir discuter. Alors attends, mais moi je discute avec mes idoles. Avec des stars quoi. Ah, c'est pas tous les jours que tu peux discuter avec le Mbappé du Linux. Hein. Mbappé du Linux, ah oui, quand même. C'est le Mbappé du Linux. Ça va, les filles, elles enflent pas trop. Ah, plus le M que Mbappé, parce que du coup, il n'y a pas le même salaire aussi. Que... D'ailleurs, je crois qu'on dit pas Mbappé, mais on dit Mbappé. 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 Ouais, bon, ah ouais, tiens, on peut récupérer les héroïques ici, tiens, on va se faire bon, en vrai, héroïque. Je pense que je vais stop après cette quête. Quoi. Ah, si t'arrêtes, on arrête. Ouais, je pense que je vais stop. Tu veux qu'on arrête là? J'ai envie de laisser durer le plaisir, parce que j'ai l'impression qu'on avance beaucoup trop vite. Hein. Et en plus, bah, écoute, ah là, mais mec, on est même pas à... Alors, on a même pas fait 2% du jeu. Ah, mec. Si ADL y part, oui. On switch en obscur. Vas-y. C'est quoi en obscur? Bah côté obscur, on joue côté obscur. Ah ouais, sans toi. Tu sais qu'il y a quand même... Attends, je dois faire ça. Hein? Tu dois faire quoi? Attends, t'es où? Ah ouais, bah vas-y, on prend ça. On va participer. Il y a une refonte graphique, ouais. Ah ouais, ouais, il y a eu plusieurs refontes graphiques. C'est l'inflation. Ne dit-on pas que les grands esprits se rencontrent? La musique, elle a quand même pris une sacrée claque là. Avant, il y avait des morceaux de musique, ils étaient tous à 1,39 €, là ils sont à 1,59 €. C'est fou. Même de la musique, ça augmente quoi. Je serais bien curieux de savoir quand t'achètes une musique 1,59 €, l'artiste combien il touche. Personne n'achète une musique comme ça. Hein? Il y a des gens qui achètent des musiques à l'unité. Ouais, ouais, moi j'achète à l'unité, ouais. Pour mixer, ouais. T'es la première personne. Oui, mais c'est parce qu'il mixe. Ouais, je mixe, ouais. Ah, d'accord, c'est pour ça. Puis après, bah, je garde. Ah, usage de consommation professionnelle. Ouais, bah, usage twitchesque et à usage détente aussi. Ok. Bah, nice. Voilà, je suis sur un style que je ne mixe pas. Linux en prévision. Bah écoute, on a déjà une guilde sur Diablo, mais bon. Ça joue moins ces derniers temps. On pourrait faire une guilde de Linux de Souhaitant en vrai. Ouais, faudrait que je la fasse, mais avec, dans ce cas-là, avec un de mes gros persos, parce que ça coûte de la thune. Voilà, encore une fois, il veut pas jouer avec nous, il veut nous guider. Ah ouais, mais bon, en même temps, c'est lui le patron hein, sur Swator. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je prends un de mes gros persos, j'ouvre la guilde, et après tu peux guilder tes rerolls. Donc ça empêchera pas de jouer avec ce personnage-là. Il faut juste que ce soit mon perso haut niveau qui ouvre la guilde. T'as vu, c'est chaud dans le chat. C'est chaud. Bah vas-y, hein. C'est chaud, chaud. Il a pété une Fedora en 24 heures. Il a pété une Fedora. À la limite, on se prend les 4 ici pour. Faut tout prendre. Ah bah non, ça sert à rien. Elles vont être reset le temps qu'on rejoue ensemble. Donc ça sert à rien. Bon, on reste là, comme ça on sait qu'on aura à les prendre quand on reprendra la sauvegarde ensemble. Et nous, on passe en obscur du coup. Ouais, je vais me faire un petit café avant en parlant de côté obscur. Oh bah écoute, je vais me faire un café aussi. Hein. Vas-y. Adrien, on te laisse la chaîne, je t'en prie, tu te lâches, fais-toi plaisir. Ok. Non, mais j'achète et je continue d'acheter ma musique. En plus, je viens de regarder, acheter la compile, ça ne sert strictement à rien parce qu'il y a des compiles de musique, c'est sympa, mais tu vois, c'est 1,59 € l'unité et si tu prends la compile qui fait 10 morceaux, c'est 15,90 €. T'as même pas une réduction, c'est fou ça. C'est qui fixe le prix? C'est l'artiste ou c'est la plateforme? Bah moi j'achète sur le site beatport.com, donc c'est... C'est la... Allez, je vais faire le café. Ça marche, vas-y. C'est la plateforme... faudrait que je demande... parce que je connais une artiste qui, justement, a une musique sur cette plateforme. Faudrait que je lui demande d'ailleurs si tu sais, en fonction, quand t'as un compte, si l'artiste elle voit qui a acheté sa chanson ou pas, sachant que Beatport te permet d'avoir un abonnement aussi, c'est ce site-là. Attends, je vais le mettre sur Ctrl C. Alors après moi je mixe que de la musique électronique, donc forcément voilà, c'est là-dessus et. Oh, un live. Et donc tu peux. Alors moi j'ai pas l'abonnement, mais tu peux souscrire à l'abonnement que tu peux connecter éventuellement que tu peux connecter quand tu as le logiciel de mix qui va bien ou le contrôleur qui va bien, tu peux connecter un compte Beatport et donc tu peux mixer toutes les musiques que tu as achetées sur le site. Ou je crois que si tu as l'abonnement qui va bien, attends, je sais plus où c'est. T'as l'abonnement qui va bien et en gros tu peux mixer toutes les musiques. Toi, c'est un peu comme un Spotify où tu peux écouter ce que tu veux. Là c'est pareil, sauf que le prix de l'abonnement Beatport plus le prix du logiciel pour mixer, c'était hors de prix. Je vais regarder. Je vous laisse 2 minutes. Je vais me faire mon café aussi avant que Cardiac revienne. À toutes. Ouais, plus. Je vais regarder en attendant le truc là. Heureusement que je suis pas tenu pour de vrai. Ah, c'est dommage. Parce que j'ai absolument oublié la caméra. J'aurais été à poil. C'est vrai qu'on a eu le siège vide quoi. Trop beau siège. Mais tu vois là, effectivement. Qu'est-ce qu'il dit là? Tu vois, en abonnement, c'est 9,99$ par mois qui te permet full track playback. 8 pour DJ. Ah, attends, full track playback, host, mode session, mobile app, high quality. Voilà, DJ plateforme intégration. Petit 1. Et elle est où la description du petit 1? DJ plateforme intégration. Ok, donc ça veut dire que c'est 15$ US par mois pour avoir l'abonnement qui te permet de streamer, je pense, ce que tu veux. J'allais te dire, Chaosland, je fais ça à tous les lives, de mettre la distro que j'utilise en avant, mais là apparemment non. Star Citizen, oui. Star Citizen, je vois qu'il y a un gros logo Arch à un moment. 15$ plus, et le logiciel, je vais regarder, mais en fait, c'est un abonnement pour l'avoir. Alors, 30€ par mois. Ah, attends, est-ce qu'avec le 15€ par mois, on peut... EFI, Gentoo. Beatport, là. Comme quoi on peut stream sur tout, sur tous les jeux et sans crash. Enfin, pas tout le monde, mais... toujours sur Nalkedu. Bah, pas de repos. J'y peux rien, j'arrêterai de le vanner quand il arrêtera de crash à chaque stream. Par contre, je sais vraiment pas pourquoi il crash. C'est fou. Ça, c'est de la chance, il a vraiment mal foutu un truc et c'est plus profond que ça. Bah c'est pour ça que je fais ça, ouais. Chaosland, il dit il faut mettre en avant, trop de gens pensent qu'on peut pas jouer sur Linux. Et ouais, c'est pour ça que je fais ça. J'essaie de rappeler au maximum que non seulement je joue à tous les jeux quasiment, mais en plus sur toutes les distributions et dans de bonnes conditions. J'ai pas de crash, j'ai des bonnes perfs, tout roule quoi. En bref, je vais peut-être m'arrêter au final, j'ai pas de nouvelles du chef, c'est étonnant, mais je vais peut-être en profiter pour ranger un peu. Je vais annoncer la mauvaise nouvelle à Nalkedu quand il arrive, mais je pense que je vais arrêter là le stream. Ah bah voilà, j'ai entendu. Nalkedu. Ouais, au moins je vais ranger un peu là, de toute façon c'est 18h08, ouais, je vais ranger un peu. Moi je devais y aller. Avant que le chef arrive, parce que si le chef arrive et que c'est le bordel alors qu'elle travaillait... Donc tu vas te faire tabasser la tronche. Je vais me faire démonter, dire je travaille toute la journée, toi t'as fini à 15h et t'as rien foutu. Donc je vais commencer à réfléchir au repas de ce soir, etc. Excuse-moi Nalkedu, est-ce que je te déco ici Nalkedu? Te déco ici, c'est-à-dire... merde, t'es où? Il y a Chaosland qui dit est-ce que c'est pour faire de la pub pour Linux ou pour Fedora? Alors moi je suis pas du tout un gros fan de Fedora. Vous êtes fou, hein. Ah, vous avez quitté? Ah bah oui, tu peux te déconner n'importe où, tant que t'es pas en zone de combat, c'est bon. Je montre ce que j'utilise. Il y a écrit les zones dangereuses en fait. T'inquiète. Zone dangereuse, tu peux te déco. Ouais, tu peux te déco. Ok, bah c'est bon. Mais plus. Il est pas dégueu quand même. Un petit Fedora. Arrête, tu vas me donner envie de changer de distribution là. Mais non, mais t'es bien sur Arch. Quoique non, t'es pas bien, tu fais que crash, t'es pas bien. Hein. Oh, franchement, en dehors des jeux, ça va. Hein. Non, c'est quand tu streames en même temps, mais je pense que le PC portable, il est un peu léger. Oui, non, mais c'est ça. Ouais, c'est parce que c'est N20 qui crash, c'est OBS. Je pense, hein. Mais ouais, parce que, quoi, du moment où je stream pas, en fait, tu vois, Borderlands 3, sans stream, je le mets sur la télé, 4K, 60 FPS. Avec le ray tracing et tout. Hein. Bon, bah écoutez, les gens, je vais y aller. J'en profite, je vous montre un truc, tiens. Ça sera sur la vidéo YouTube aussi. Et ça sera sur la vidéo YouTube et je le cutterai pour faire une petite vidéo à part. J'ai retapé un peu ma chaîne. Et je trouve que c'est pas mal, c'est pour ça que je vous le montre et que je voulais en faire une vidéo. Je fasse la miniature, moi. Ah ouais, tu nous fais la miniature. Et tu mets bien Fit Adrien, là. Bien ah bah évidemment, évidemment. Et j'ai refait ma chaîne et j'ai fait un truc que je pense qui était pas mal, c'est que j'ai séparé les tutos du reste. Parce qu'à la base, quand j'ai fait ma chaîne YouTube, c'était pour, c'était surtout pour faire du tuto. Au final, je mets les replays Twitch qui servent justement à montrer qu'on peut jouer sur Linux dans de très bonnes conditions et sur toutes les distros et sur tous les DE. Et dans Linux, j'ai mis le fourre-tout. Mais au moins, c'est séparé. Le replay Twitch, je sais que ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Il n'y a pas grand monde qui les voit. Mais je veux les garder parce que c'est pour montrer si un mec qui me dit « Ah, tel jeu, il marche trop mal sur Linux. Bah non, regarde. Ah, Fedora, ça marche mal. Bah non, regarde. Ah, Arch Linux, ça marche mal. Bah non, regarde. » Tu vois ce que je veux dire? Ah, KDE, ça marche mal. Ben pareil. Tiens, regarde. Je stream sur KDE, là. Pendant 5 heures, 0 bug, bonne perf. Donc c'est pour ça que je garde les replays Twitch. Les tutos Linux, au moins, ils sont tous ensemble s'il y a besoin. Et du coup, bah, Linux, c'est un peu plus fourre-tout. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que raconte le chat avant de couper? Et puis après, je coupe. Hein. Une petite vidéo de Swotor pour installer Starface, nanana, serait sûrement appréciée. Ok. Lumi, je vous entends faiblement, vous êtes loin des micros ou c'est chez moi? Vu que t'es le premier qui se plaint, je pense que c'est chez toi. Après, je fais comment? Ah, Stéphanie, elle savait pas quoi faire du reste de la soirée. Bah, je sais pas. Non, je crois que c'était une histoire de point de chaîne pour mettre le message en rose fluo, là. Je sais pas. Violet fluo, là. Donc, c'est le mettre le message en avant, là, avec les points de chaîne. Tu cliques sur tes points de chaîne, tu cliques sur la petite bulle blanche sur un fond orange. Mettre mon message en avant. Tu écris... Voilà. Et après, ça s'écrit avec le message. Ok. Comme elle a réussi. Ok, ok. Donc, par exemple, tu peux dire Gentoo, c'est de la... Balle. Tu ne restes pas assez longtemps sur une distri pour ça, pour qu'on croit que ça marche bien. Non, c'est faux. Tu regardes ma Arch, elle avait 3 mois quand j'ai fait l'update. Bah, c'est beaucoup 3 mois, attends. Au bout d'un moment, si en 3 mois t'as pas eu de problème, y a pas de raison que le lendemain t'as un problème, tu vois. Ouais, 3 mois. Quel petit joueur. Bah oui, mais moi, attends, je suis dans le test en dur. Hein. Moi, je teste pas en VM. Hein. Je suis un vrai, moi. Je suis pas un faux. Hein. Représente. Ah, hein. Ouais, moi, mes distros, je les teste en dur. Hein. Gentoo, tu n'es pas allé jusqu'à la mise à jour de GCC ou un upgrade de Python. Tu vois, ça, c'est intéressant, ça. Ouais, mais Gentoo, quoi. Arrête. Gentoo. Trop compliqué pour moi. Tu vois, Fedora, t'as pas passé l'étape de la mise à niveau, au moins une fois. Ah si, j'ai déjà fait des mises à niveau Fedora. Je l'ai pas fait cette année, mais attends. Non, ça m'est arrivé. Après, je suis jamais trop resté sur Fedora. La distro que j'ai dû garder plus longtemps, c'est sur les serveurs. Même si j'ai quand même tendance à formater quand il y a un nouveau Ubuntu serveur. Vu que de toute façon, je fonctionne en Docker, mon Xcloud, je le déplace. Ah, Xdavius, pour la question, en fait, ça dépend. Tu peux pas connaître spécialement la date d'install parce que les journaux vont s'épurer à un moment donné. Ça va tourner. Moi, ce que j'utilise, si tu as la chance d'avoir une partition en... Si tu as la chance d'avoir une partition au format EXT 2, 3 ou 4, tu peux utiliser la commande thune de FS avec l'option -l. Je vais la lancer sur ma commande. Par exemple, tu fais thune to fs-l ta partition, donc ta partition racine. Donc moi c'est /dev/mapper/ enfin voilà, c'est ça. Donc moi je le fais comme ça. Après tu remplaces avec le nom de ta partition, dev/sd si t'as pas de LVM ou autre, et tu vas à la ligne qui s'appelle file system created. Et donc là tu sais la date de création du système de fichiers, et donc bah, la dernière fois que tu as formaté le système de fichiers, normalement, c'est quand tu as installé ta distribution. Et donc là, tu vois que ma Gentoo, elle est installée depuis le 23 janvier 2020 à 21h18. Voilà, j'ai commencé l'installation. Beau gosse. Bon, allez, les gars, donc, je coupe le stream parce que sinon, je m'en sors plus. Je vous fais des bisous. Ouais, bisous. Je vous dis à la prochaine. Des bisous. Dans peut-être que ça stream ce soir. Non, Nalk, tu travailles ? Bah non, sinon je ne serai pas là. Ah bah voilà. Je rentre pas en gros quand je travaille. Bah peut-être que tu vas stream après moi du coup, non? Il y a des chances si tu stream, que je participe sur... à l'écrit. Et peut-être même en vocal, mais plus tard. Ouais. Sinon Xdavius, on se met sur le Discord là si tu veux qu'on discute. Ouais, qu'allez-vous sur le Discord. On se mettre dans le bistrot si tu veux. Bon, moi je vais couper en tout cas les gens. Je vous dis à la prochaine. Et peut-être que Nalkedu prend le relais, qui sait, c'est lui le chef. C'est possible, c'est possible. Donc peut-être restream dans une demi-heure, 1 heure, je sais pas. Ou peut-être pas, peut-être après manger, je pense plutôt. Mais... Allez, plutôt après manger. Allez, bah des bisous à tout le monde. Ciao. Ciao. Ciao.